Moi j'aime bien ce type de stream, le Rush Master, sachant que de base je suis fort au jeu. Alors, c'est à moitié vrai, parce que j'ai jamais été dans le top level des gens. J'ai été dans une team à un moment, on m'a proposé, j'étais en mode, bah pourquoi pas, j'avais le temps, j'étais en Irlande, j'avais rien à foutre en Irlande. Et voilà, fin de l'histoire. Et du coup je suis resté dans cette équipe, on n'a jamais rien gagné. On a gagné des matchs, on n'a jamais rien gagné. Ça se passait pas trop bien non plus. Notre chef d'équipe était gentil, un peu chiant quand même. Mais après tout le monde est chiant. Moi le premier. Hein. Enfin vraiment il y a des trucs je me demande mais bon clairement dans le niveau de la chiantise je suis bas pour certains trucs. Mais de temps en temps, je vais recommencer ma phrase. Je peux être extrêmement chiant, je le conçois, mais je peux être aussi le mec qui, genre, il va jamais te poser de problème. Mais pour le coup, il ne faut pas nous embêter. Parce que si tu me fais chier, je vais te faire chier. Parce que moi, je suis français. Et ça, c'est l'âme de la France. Si tu me fais chier, je te fais chier. Bon, sur ce jeu-là, comment on joue? Déjà, je vais mettre une musique en mi-code proposée par la barre de recherche YouTube. Tout à l'heure, j'ai regardé la vidéo de mi-code par rapport au CV. Et c'est intéressant. Il faut bullshit. Franchement, c'est hyper intéressant. C'est la seule info à retenir de cette vidéo. Que le bullshit fonctionne de ouf. Et voilà. Alors, je ne vais pas mettre de musique d'animé. Enfin, en soi, si je peux, attends. Lo-fi animé. Ah ouais, mais j'aime pas le lo-fi animé. Je l'aime pas. Je vais mettre le Poké Lo-fi. Enfin, le Nintendo Lo-fi. C'est presque que des musiques de Nintendo. Mais enfin, bref, c'est mon retour ce soir sur Pokémon Unite. Jeu que j'aime et que j'aime pas à la fois. J'ai combien d'heures dessus? 440, comment ça? Mais attends, 460, attends, comment ça? Ouf, presque 600 heures. Si on cumule tous les comptes, aïe aïe aïe, qui est là? Rastafari, qui est probablement la personne avec qui j'ai le joué le plus de temps si on fait par rapport au temps. Pourquoi je dis ça? J'ai commencé le jeu l'année de sa sortie en septembre, bah quand le jeu est sorti sur Switch. J'ai joué comme Pokémon Go, première semaine, pas Day One parce que je pouvais pas, mais première semaine j'ai joué à Pokémon Unite. Et après j'ai joué, je crois c'est peut-être vers... J'ai commencé à faire du multi sur le serveur Pokémon Unite FR. Donc septembre, ouais, donc ça devait être vers octobre où j'avais commencé un peu à jouer Monsieur Mi, mais j'aimais bien. Et ah bah c'était en 2021 ça, parce que j'ai bossé. Attends, 2021. Oui c'est ça. 2021. Combien? Bonsoir Léo et bienvenue sur ce nouveau streaming. Le retour sur ce jeu. Mais oui du coup. C'est quand je bossais à Monop, du coup j'avais large le temps en fait. Enfin, je rentrais chez moi, j'avais rien du tout à faire. Enfin, il n'y avait pas d'obligation, il n'y avait rien à préparer, c'était hyper chill. Et je t'ai payé pour travailler, putain. Alors que là, tu payes pour bosser. Ça n'a aucun sens. Les écoles, c'est bizarre. Oh non, Rostai, c'est déco. Et ouais, j'ai tryhard le jeu quand j'avais le Covid, et c'était en décembre. Et c'est à ce moment-là où j'avais déjà joué quelques fois avec Rastafari, mais vu que j'étais là tous les soirs, jusqu'à hyper tard, et que lui, il jouait tous les soirs jusqu'à hyper tard, bah ça accrochait, on s'entendait bien. Il y avait un autre aussi qui s'appelait HDN Off de son pseudo, et on a beaucoup joué ensemble, et je sais plus du tout ce qu'il jouait. Je me souviens plus du tout de ce qu'il jouait, mais je crois qu'il jouait des... Moi je jouais plutôt des trucs support et tout. D'ailleurs ma caméra, en vrai, je vais la bouger vu que je joue sur ma Switch parce que c'est pas le même écran. Et sinon, bah, quand on me regarde, je suis totalement de côté.
Et ouais, Rastafari, j'ai joué beaucoup à ce moment-là. Et après, je suis parti en Irlande et c'est lui qui m'a proposé de rejoindre l'équipe qui venait à peine de rejoindre. Et au final, je suis resté dedans et lui, il est parti parce que il était pas là. Parce qu'il se connectait rarement. Et après, j'ai un autre poteau du jeu du nom de Play Knight qui était dessus. Et voilà. Attends, j'ai regardé un peu les pseudos pour voir si je les connais. Rasta, bien sûr. Adamski, ça me dit rien du tout. Atoms, ouais. Pangoléon, je sais. Atoms aussi, j'ai beaucoup joué avec lui et avec Play Knight. Pangoléon, je me souviens de son pseudo. Tokito, j'ai joué il y a quelques jours avec lui. Warthog, je me souviens pas. Lowlayette, je jouais avec Play Knight et ou HDN, je ne sais plus, mais ouais, ça me dit rien. OVT, Firox, je crois que c'était lui mon chef de team. GG Luffy, ça c'est un mec qui était sur un Discord sur lequel j'étais. Ça me dit rien. Mikark, c'est un nom assez connu. MCKL, je me souviens qu'il jouait Absol et que j'aimais pas voir son Absol parce qu'il le jouait pas si bien. Never Saiyaz, si j'ai pas mal joué avec lui. King Bee, j'avais beaucoup joué avec lui et on sortait plutôt bien. Aqua Planage, c'était la copine d'un pote de jeu à Rastafari. Yalra, elle était dans mon équipe. Popol, j'en ai aucune idée. Aloïs, je jouais avec lui, avec, on va dire, les gens avec qui je jouais beaucoup, et ça a été les dernières vraies personnes avec qui j'ai beaucoup joué. Carizo Team, ça me dit rien. Cactus, il fait partie de ces gens-là. Texer fait partie de ces gens-là. Clazy, le fameux pote de Rasta qui avait sa copine. Play Knight, j'en ai parlé. Firox, mon chef d'équipe. Shoto Sensei, mon cousin. Pangléo, comme par hasard, online. Comme par hasard. Chaos, je ne sais pas. Ça, c'est Follen. Cactus, j'imagine c'est Cactus. Treber, je ne sais pas. Dilo, je ne sais pas. Itachi, je me souviens. Ah si, Itachi, je crois que je l'ai mis en ami. Itachi, je crois que c'est un gars avec qui on avait joué la toute première fois que j'étais monté master. Et on voulait le monté master, mais il s'est endormi devant son ordi à la dernière game. Il me semble que c'est ça. Okino, ça me dit rien. HDN off, j'en ai parlé. Sachou de mon cousin. Et là, après tout ça, Mister H5, bien évidemment. Putain, il avait joué au jeu. Bon, alors le problème, c'est que Cléo, t'es pas ranked, donc ça va être compliqué. Mais du coup, ouais, je vais lancer de la ranked. Ah putain, ça m'a reset. C'est de la merde. Mais c'est quoi, c'est genre, j'ai une chance sur 40 de l'avoir ou au bout de 40, je l'ai forcément? C'est de la merde. Mais c'est de la merde. Bon, est-ce que vous êtes prêts à ce jeu de merde? Déjà, on va regarder un peu. Je peux jouer depuis un bail. Ah bah oui. On va voir les nouveaux Pokémon. Il y a lui qui vient de sortir. Voilà. Après, je sais pas, depuis que j'ai arrêté le jeu, qu'est-ce qui est sorti? Locklass, je crois qu'il était pas sorti quand j'avais arrêté totalement le jeu. Lui, je me souviens l'avoir vu. Nique ta mère, toi. Lui, insupportable. Putain, 12 000 pour un support, c'est hyper cher. Philali, qui est le plus récent avant Inteleon. Et après, on connaît. En vrai, j'ai pas raté beaucoup de Poké. Et il y a Noctali, bien sûr, mais je l'ai acheté. Et lui, c'est un Absol. C'est un Absol V2. Il fait exactement pareil. Il se joue de la même manière, il fait les mêmes dégâts abusés. Mais peut-être plus fort qu'un Absol. Du coup, ça y est, ils se sont un peu calmés au niveau des prix de malade sur les Pokémon. Du coup, il y en a, ils coûtent 12 000, hein. ça ne change pas. Mais voilà, il y a Philali, il coûte 13 000. Pourquoi? Et normalement, il y a... Oh. Oh là, j'aime bien les cheveux. Mais ça coûte cher, 1800, dis donc. Ah oui, ça c'est sur mon second compte où j'ai acheté ce skin-là, juste pour les cheveux. Sauf que là, évidemment, on va garder les lunettes. Et là, il y a un nouvel item, du coup, c'est la doll. La poupée Munja, qui est un truc de LOL, a priori. Qui fait que t'es invincible pendant 3 secondes, mais tu peux pas bouger. Évidemment, je vais l'acheter avec des tickets hautes. En vrai, je viens de voir, j'ai 115 000 tickets. Et 115 000 tickets. Le Zonia. Vous avez vu mon beau skin? C'est moi.
J'ai même la figurine à côté, si vous voulez. Et j'ai tout prévu parce que, en vrai, cet œil-là, je l'ai depuis le début du jeu, je ne l'ai jamais changé. Parce que je trouve que c'est le plus stylé. Et en vrai, c'est celui qui va le mieux pour le skin de Cynthia. Mais évidemment, ça c'est ma carte de dresseur, car il faut garder les tongs, le short et les lunettes. Et qu'est-ce que j'ai tous les jours sur moi? Mes lunettes, elles sont là, mes lunettes, je les ai toujours. Parce que ça, c'est juste des lunettes filtre lumière bleue. Des tongs en bas de chez moi. Bon, là, je les ai pas parce que je suis dans ma chambre. Un short. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais comme par hasard, Oh, pff, c'est... Vraiment, dans ta tête, tu dis, mais oui, tout est prévu. Il ne manque plus que la perruque et la queue de cheval. Et c'est moi en face. C'est moi le skin, vous le voyez. Bon après il me faudrait un gilet, j'ai pas de... Moi c'est des gilets, j'aime bien pouvoir les ouvrir. Mais j'aime bien ce vêtement. Mais mon skin est tout con mais hyper unique je crois. Les lunettes de soleil, à part moi, j'en ai jamais vu. Mais j'aimerais dire c'est comme dans Rocket League, la Road Hog. Ah oui d'ailleurs ça c'est Daniel, il m'a proposé de faire ça parmi les tier list. La tier list des voitures de Rocket League. Attends, on a ajouté quoi aussi? La tier list des voitures de Rocket League. Après moi j'ai ajouté parce que je voulais le faire mais je me le suis pas noté. La tier list des niveaux de Mario 64. Et après bah Sunshine et Galaxy 1 et 2. Et aussi la tier list des classes. Donc de la maternelle jusqu'à maintenant. En vrai c'est rigolo, c'est une bonne idée. Bon je sais déjà... J'ai déjà des arguments. En mode la quatrième, je sais que c'est la classe que je vais le mettre le plus bas. Parce que s'il y a une seule fois dans ma vie où j'étais en dépression, c'était bien à ce moment-là. Et très haut. Parce que vraiment, quelle année de merde, quelle année remplie de cassos. Mais qu'est-ce qu'elle a été donnée cette année? J'ai rien branlé. En seconde. Oh là là. Vraiment la seconde. Même Naël pourrait en témoigner quand on a changé d'école, mais... Naël, mon meilleur ami du coup. Et pas mon cousin. Parce qu'ils ont le même prénom. Mais ouais, c'était... Enfin, la seconde. Bon, j'en ai déjà parlé, mais vraiment, on s'est tapé de ces cassos dans notre classe. Mais c'est là où on a quitté le... L'école bien stricte. Privé catho à un privé. Qui n'en avait pas l'air. Tu te dis... Là, les gens avec qui je suis payent pour venir. Ah bon? Ah bon? Même pas sûr s'ils ont une bac. Tellement qu'ils étaient cons les gens avec nous. Bon, évidemment, mon choix numéro 1 dans 95% des games, ça sera Mentally, pardon. Mais je suis très chaud de faire du Noctali. Alors Zacian a été extrêmement nerve, donc normalement le Pokémon on le verra pas trop. Mais ça reste insupportable à affronter. Et je vois que le son du jeu est giga fort. Donc je vais vraiment le baisser. En vrai, le mieux, c'est que je le baisse directement comme ça. Ouais, là c'est pas mal. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la team? Déjà, j'ai très peur parce qu'avec Léonard, au moins, on avait un tank à qui je pouvais faire confiance. Il avait un bon Flagados. Et il disait, ouais, j'ai l'un des meilleurs Flagados de France. Bon, permets-moi d'en douter. Désolé, mais permets-moi d'en douter. Mais il était pas dégueu avec. Il n'était pas dégueu et en vrai, moi, ça me mettait bien et on n'a pas eu une lose. Ouais, on a dû faire 5-6 games et on les a toutes gagnées. Et moi, ça me fait très mal parce que j'ai pas joué à la saison précédente. Du coup, j'étais tout en bas de spécialiste. Alors que s'il existe, Dieu sait que je suis tout sauf spécialiste. Mais le problème, c'est que c'est un jeu d'équipe. Et ça, c'est tout le problème de ce jeu. C'est que c'est un jeu d'équipe, c'est pas un jeu solo. Ainsi, je partis pour une nouvelle session Pokémon Unite. Où, évidemment, je serai très calme. D'ailleurs, maintenant, il y a des petits sons quand tu montes de niveau. Bon oui, du coup, si t'étais pas au courant, il y a Zacian dans le jeu maintenant, Léo. Putain, c'est free, ça. Hop. Alors, il a l'air d'être solo, lui. J'aurais pas le temps. Si. Prends le pro. Ok.
Alors j'ai stack 3 fois, j'ai le bon set. Alors ça serait cool si on chopait celui-là. Ah bah oui, je lui fais peur. Le problème c'est que j'ai pas de bandeau rouge, j'ai pas de potion, je peux pas me soigner. 9 minutes, tac. Donc dans 10 secondes, on a les bis comme on disait à l'époque. Et le jungler est un fenard. Il est que niveau 4. Ah, ils ont dû se battre la jungle. Allez, Zacian, saute-lui dessus là. Ouh, les volis, c'est un filali, faut que je m'en méfie. Après, c'est un filali de lane, donc en soi, il sera pas très puissant. Mais ouais, si on voit quand même les dégâts qu'il met là, à notre Zacian. Après, Zacian a été giga nerf. Donc il y a des chances que le poké, on... J'espère on verra pas Zacian, parce que vraiment, ça m'emmerde d'affronter des Zacian. J'aime pas le poké. De toute façon, c'est un poké polyvalent, et j'aime pas les polyvalents. Future Sight, du coup. Faut se méfier, ils font des beaux dégâts quand même. Hein. Alors, est-ce que en haut, ça fait les mobs hein. Vu qu'il y a le Balbuto qui avait disparu, il y a peut-être quelqu'un en mid. Non. Putain, le Zacian, il fait pas les mobs, il gank. Je vais... Ouais, non, Zacian, il va avoir du mal. Je vais l'aider. Bon, lui, déjà, c'est ciao. Ouais, faut qu'il tente pour moi, hein. Bon, au moins il a score. J'attends d'avoir mes attaques. Et là il est mort. Wesh, comment ça se fait qu'il est fou lui? Bon, c'est un peu chiant que j'ai pas pu score. Bon, Zacian, on sait, on peut pas trop lui faire confiance. Ça se voit, il le joue pas bien son poker. J'aimerais te dire, hein, à part si t'es confiant avec ton poké, t'es pas censé te jouer, quoi. Mais voilà, le truc, c'est que le poké est craqué as fuck, quoi. Le machin, il est niveau 8 et tu vois, il les éclate. Donc ouais, on peut faire confiance à son poké, mais pas au joueur, je pense. Absol, level 10, donc c'est qu'il doit faire son taf. C'est plutôt cool. À part si ma team fait de la merde, on devrait la win. Parce que là, ils ont jamais score. Ici, je crois pas. Ouais, j'avais pas souvenir qu'ils aient score beaucoup. Normalement, c'est une free win. Mais après, ça dépend de comment on joue mes mains, bien sûr. Comme 100% des games sur ce jeu. Après, je suis pas au elo. Là, je suis pas au elo. On peut même pas parler d'elo tellement que je suis bas, d'ailleurs. Ouais, tu vois, là, il score tranquille ici. C'est pas normal. Même moi, là, il y a la jungle. C'est pas trop normal. Ah, il y a un archiduc. Ouais, tu vois, là, je pourrais aller... Il y a moyen que je puisse score. Ouais, non. Risqué, risqué. Vas-y, en vrai, on va aider en haut. Hein. Bon, Zacian, il a quand même une puissance de dingue. Hein. Mais je pense que c'est comme Chifours, malgré le fait qu'il se fasse nerf ce Pokémon, il est juste beaucoup trop craqué de base. Oh putain, mais il est mort lui. Oh bah toi. Oh, il a bien fait de flash. Oh, tu as bien fait de flash, sinon toi tu étais mort. Ah mais par contre je suis deg, putain je pensais pas faire autant de dégâts à Fenar. Ah il est level 9, oh, putain mais on leur fout une avance. Et pourtant j'ai pas de kill dans cette game. Hein. Là ils pètent en haut, bon là ils ont pété, là ça va scorer en bas. C'est pas grave s'ils scorent. Ils sont 3 à droite contre 2, bah avec Absol on a le temps. Hein. Je sais pas s'il a checké les bushs. Ouais y'a personne. Putain déjà, il joue Fluffy Tail, même pas. Ouais.
Allez, ça dégage. Vas-y, on va. Ah, y a pas mon buff. Philali, il est encore en vie par contre, les gars, c'est chaud quand même. Oh! Oh non, j'ai raté ma préscience! Putain! Ma préscience, elle a dû toucher un tilton. Ah, c'est con de rater ses ults. Bon, je vais éviter d'y aller parce que, bon, il y a quand même un ulti d'archiduc. Par contre, ouais. Bon, lui, Non mais regarde, tu vois, on a même pas mis de gros coups, et pourtant. Déjà, je sais, Archiduc, s'il joue pas flèche, il joue pas flèche. Pour moi, Archiduc, c'est free kill. Déjà, genre, c'est impossible qu'il me batte, Archiduc. Comment ça se passe ici? Oh non mais, oh là là, Zacian. Il est niveau combien, level 13? Non mais le poké est craqué, hein. Le joueur n'était pas bon. Le joueur n'était pas bon plus que ça, donc... Oh les dégâts. Oh là là. Oh non mais lui il force, hein. Lui, je te jure, il force, hein. Eh, faut pas qu'il s'approche, hein. Ah, alors ça c'est débile, hein. Ouais, en vrai. Dommage que le décideur ne mette pas ses points. En vrai, l'Absol, il aurait dû me laisser score. En plus, il est déjà niveau 15. Franchement, là, vu comment la game est partie, le seul moyen qu'on perde cette game pour moi, c'est que Absol se fasse tuer. Si Absol tombe KO, on peut lose la game. Mais là, faut. À la limite, faut rush. Mais là, le problème, c'est que mes mates, ils sont cons. Et ils sont giga greedy. Le problème, c'est que je suis obligé de les suivre. Oh putain, je l'ai tué? What the fuck? Moi, faut que je back là. Là, c'est. Là, j'ai été hyper greedy. Je suis hyper étonné d'avoir pu mettre KO l'archiduc. Mais là, faut qu'ils se cassent. Ils font quoi, là? Là, faut arrêter de se battre. Faut juste prendre la pause. Toi, tu vas back, tu vas très gêne. Regarde, lui, déjà, il claque son ult dans le vide. Moi, le problème, c'est que j'ai pas mis un à cause du filet. Enfin, les gars, il y a quand même un archiduc en face. Faut faire gaffe. Ouais, on est obligé de le faire, du coup. Putain. Voilà. Pourquoi on va perdre cette partie, peut-être? À cause de mes mates, parce qu'ils sont cons. Ils se sont même pas occupés de l'archiduc. Je sais pas ce qui s'est passé. Là, faut juste qu'on def. C'est pas grave, ils peuvent nous mettre leurs points, normalement on gagne quand même. Mais là, ouais, c'est là qu'on voit que j'avais pas une bonne team. Ouais, je sais pas si ça suffit. Ouais, si c'est bon. Par contre, il y en a un, il doit rester. Hein. Ouais, le Decelliant, faut vraiment qu'il reste. Faut vraiment qu'il bouge pas. L'Absol, faut qu'il reste entre les deux sur le pad. Là, si on continue comme ça, on win. Ils ont aucune. Ils ont juste mis de la value en bas, y a rien. Moi, j'ai un ult, je suis en mentalité de toute façon. Bon. J'étais giga focus dans la map. Hein. Oh. Oh là là, oh, ça m'aurait tilt de la perdre. Mais là, typique, tu vois, c'est ce que je disais. Pourquoi ils avancent? Ça sert à rien. Ça sert à rien. On n'a pas des bons pokés pour rester en face. On n'a pas un mousqueto, on n'a aucun support. Ça sert à rien de se battre dans le camp adverse. Tu vois, ils vont juste nous rattraper bêtement. Et la preuve, en plus, ils ont laissé l'archiduc totalement affaiblir le. Enfin, ils ont laissé l'archiduc en vie. Enfin évidemment, enfin, après c'est un archiduc qui fait des bons dégâts quand même, donc oui, il peut avoir le Rayquaza. Bon lui il servait à rien, hein. Un speedster en lane on connaît. Et après j'aimerais dire au niveau des dégâts de la game, est-ce que ça en étonne certains?
Eux, ils ont des bons dégâts en vrai, tous. Il y a juste lui, bah, il sert à rien en lane, quoi. Moi, j'aimerais te dire c'est normal, mais ouais, lui. Karchak Rock n'a jamais été bon sur ce jeu. S'il y a bien un Poké qui n'a jamais eu son heure de gloire, c'est lui et Krabarak. Et encore, Krabarak, moi, je connais un excellent joueur de Krabarak. Mais Karchak Rock, je n'en ai jamais vu un. Donc, ouais, Rushmaster, entre guillemets. Hein. Il me reste 11 jours. Je sais pas, quand je sais pas quoi faire, je pense que je vais aller sur Pokémon Unite. Mais honnêtement, j'ai vraiment d'autres choses à foutre. J'ai du montage à faire, moi, en soi. Je devais sortir une vidéo hier, je l'ai toujours pas commencé. La tier list des couleurs. Je sais même pas j'ai combien de temps de vidéos à monter, en soi. Parce que la tier list des chiffres et des lettres, en soi, c'était pas non plus énorme. Et du coup, je suis deck parce que j'ai dû télécharger la VOD, du coup, la qualité elle est nulle. Bon, évidemment, je vais repartir. Sauf si l'équipe, ça semble intéressant, je peux potentiellement jouer Noctali. Alors, la vidéo elle dure combien de temps? À la moitié de la vidéo, j'ai fini la tier 10 des couleurs. Et ça dure 2h10. Ok, donc ça va en fait. Non, j'ai que à peu près une heure de contenu à monter. Et vu l'équipe, non, Noctali ne vaut pas la... Oh, le Snoopy là, en bas à droite là. Je vois ma caméra sur Streamlabs. Je vois mon regard de dégoût quand je vois les items du Krabarak. Ah, non mais s'il y a bien un style de jeu sur lequel je vais être chiant, c'est les jeux où il y a, on va dire, les jeux un peu stratégiques du style Amogus, Undercover, voilà, des trucs où il y a potentiellement des traîtres, tu vois, où je vais être à fond dans l'enquête. Et c'est pour ça que j'aime pas être méchant aussi, mais je vais être à fond dans les enquêtes. Et il y a un autre style de jeu. Et c'est ça qui est chaud quand même. Sur LoL, j'ouvre pas ma gueule, parce que je sais que je suis une merde à LoL. Le peu de fois où je joue, bien évidemment. Et pour dire, là je peux le dire, je pense 90% de mon temps de jeu, c'est avec vous, Léo. Mais vraiment, par contre, quand je suis bon dans un truc et que je le sais, je suis chiant. Par contre, connard, je vais l'insulter. Tu n'as aucun intérêt. Je suis un mentali, j'ai besoin d'évoluer. Je suis un mentali, j'ai besoin d'évoluer avant toi. Bah oui, connard. Ah, paf, à moi. Alors ouais, toi tu auras pas le temps malheureusement. Oh putain. Ah oh, bon, là je suis condamné. Ah, je suis condamné. Un Azumar et le stock dans les bushs, je suis condamné. Le Goopix il doit crever normalement, à part qu'il flash. Et notre jungler, c'est un Krabicoque? Non? Qu'est-ce qu'il branle? Ah, il a bugué, putain. 4v5. Je sais même pas comment ça se fait qu'on tombe sur un gars qui n'a même pas d'item sur son poké. Je sais même pas à quel moment ça arrive. Et en plus, c'est un putain de bot. Le mec qui est AFK. Alors ça serait bien de taper. Et de me laisser ce mob. Ouais, il va le tuer. À moins qu'il flash, non. Donc c'est un typhon. Il fait pas sa jungle, le beau, hein. Il reste là. Hein. Ouais, c'est un typhon Kainerie. Il bat en 1v1 lui, je crois. Là, le problème, c'est qu'il faudrait que quelqu'un vienne. Ouais. Tout à l'heure, tu as dit que Karcha et Krabarak n'ont pas leurs heures de gloire. Mais c'est deux de mes Pokémon que tu veux. Non, mais je sais. Ah, alors, Karcha, non, j'avais oublié. Mais Krabarak, oui, je sais. Et quand je parlais d'un très bon joueur, c'était toi. Parce que t'es le seul bon joueur de Krabarak que j'ai connu. Je pense que je vais faire la jungle, hein, parce que je pense pas que l'autre il va la faire vu qu'il est solo. Hein.
Vu que le Krabarak il sert à rien. Je pense la lane du bas, en vrai, le Salamèche, il a l'air d'être ok. Il a l'air d'être ok de tir. Par contre, zéro confiance au Krabarak. Hein. Mais je te dirais, la lane du bas, c'est pas trop grave. Hein. La lane du haut, je pense, je vais aider dessus parce que là, c'est compliqué. Ok, c'est ce mental. Ce mental-là me bat, sauf s'il rate ses attaques. Ah putain, ah je l'ai presque eu. Viens dans mon rayon, viens dans mon rayon, Mentali. Non, Mentali. Ah non, pas toi. Mentali. Ah, c'est un télékinésie. Ah putain, le Mentali va survivre. Ouais, c'est chaud quand même de lancer le Régis et les Ki. Parce qu'ils ont un Mentali Burst. Leur Mentali bat le mien à ce niveau-là. Et lui, il a son ulti à une vitesse de toute façon. C'est trop chaud, je peux pas prendre de risque. Qu'est-ce qu'il branle là, lui? Ok. Let's go. Allez! Let's go! Ok, lui rate ses attaques. Ouais, ça doit être un débutant. Oser jouer ce Mentali alors que t'as pas d'aim, c'est juste pas possible. Ça marche pas. Ouais, il rate tous ses moves, ça sert à rien. Non, pour le coup, ça m'arrive de miss mes attaques, on va dire, et de jouer l'autre Mentali. Mais ça va parce que de base, Mentali, moi je joue comme ça. Et ça va, dans le jeu, j'arrive à avoir une aim, j'arrive à viser. Il est où dans ce bush? Il va multi, j'imagine, sinon il crève. Non. Et on a gagné GG à notre mate. Il se démerde. Quoi? Qu'est-ce qu'il me rend là, lui? Ah bravo, tu m'as touché. Alors lui, s'il veut me tuer, pire bail. Hein. Bon, il me bat parce qu'il doit avoir un bandeau, c'est un... Malte. Ha! Normalement, je gagnais. Et il a de l'avance en XP? Non, je crois pas. Mais bon, c'est facile d'ulti en 1v1 alors que ça ne sert à rien parce que... Non, je prenais les buffs ou pas? Je sais même pas. Bref, je vais arrêter de me plaindre. Je le fais assez. Moi, c'est toi que je focus. Hop là. Bah, ça va en soi. Je pense que j'ai bien joué. Par contre, ah, j'allais dire, je me suis pas stack, j'ai score 5 fois quand même. Non, j'ai une bonne team. Ouais, sans étonnement. En vrai, mon drac au feu, ça va. C'est vraiment notre crustle, c'est un bot quoi. Putain, on a obtenu un régicile, par contre, c'est trop cool que ce soit régicile. Merci pour ce kill, Fenard. Juste merci pour ce kill. Est-ce qu'on force? On peut, ouais. On peut, ils sont deux en bas. Et en plus, s'ils pètent, c'est de pas beaucoup. Ah, parfait. Ah merde, j'ai score trop vite. J'aurais dû attendre. On aurait mis une value de 20 en plus. Alors viens avec plaisir. Alors moi, je t'accueille à bras ouverts. Non, il est pas venu. Du coup, il veut score ici, c'est chaud. Hein. Faut qu'il back. Hein. Oh, back, voilà. Non, mais, hey, mais lui, mais avec plaisir, je t'accueille. Fin.
ils viennent de gâcher deux ultis pour un mec. Non, je restais dans le bush en attendant qu'ils attaquent pour leur foutre la blinde. Surtout le Fenard. Bah, le Fenard, c'est celui qui m'intéresse le plus. Bravo, bro, t'as encore raté tes moves. Pas besoin de back. On va juste se placer tranquille. Ah, il me fume cet Azumarill. J'espère qu'il l'a vu. Hein. Alors, toi, non, fallait pas le démarrer. Moi, ce qui m'embête par contre, c'est que l'Azumarill, je peux pas le pré-shot dans le bush. Lui, il va multi. Lui, il me fait peur. Ah, ok. Ok. On l'a eu? Putain, le Krabarak! Son action du match! L'action du match du Krabarak, ça a été de vous last hit. Oh putain. Est-ce qu'il a fait au moins un kill? Sa seule action du... Par contre, ça c'est my bad de ma part, je n'ai pas regardé du tout Rayquaza. Je pensais pas qu'il se faisait taper en fait. MDR, je joue Zoro Arc là. Putain, on n'a pas tant de points d'avance. Après, il a mis 80 l'autre. Bon, sans étonnement, du coup, il a même pas de kill. Aïe aïe aïe. Bon, bravo à vous, sauf à Snoopy. Non mais par contre, quel est ton rank toi? 637 games. C'est pas mal 637 games quand même pour ne même pas avoir d'objet sur son poké. C'est que le mec il doit faire... Non, de quoi? 2200 games? Attends, mais pourquoi j'ai... 637. Mais non, ça doit être moi. 2200 games. Est-ce que c'est moi? Bon bah va redémarrer le jeu. Pokémon Unite. Logging in. Ouais, 2021 le jeu, ouais. Donc c'est bien ça. Alors, moi je voulais voir le rank de la personne, mais le jeu il m'a dit t'as pas le droit. Attends, c'est moi qui ai 2200 games? Non, donc c'était lui qui en avait 2200. Comment avec 2200? Non, il a donné la manette, c'est ce qu'on dit tout le temps avec Danilo, il a donné la manette au petit frère. Mais pourquoi le petit frère directement? Pourquoi pas la petite sœur? Tu es sûr? Parlons de probabilité. C'est quoi la majorité? J'ai combien de games de toi? J'en ai que 108. Franchement, je trouve ça abusé. Déjà qu'il a un petit museau là sur sa photo, ça me perturbe parce que je suis désolé, mais qui a remarqué que Mentali avait un museau? Elles sont les autres évolutions. Noctalie, on le voit plus, pour le coup, je suis d'accord. Après les autres évolutions, Givrali, ouais. Lui aussi, ça se voit. Mais là, elle me perturbe sur cette image, on dirait un gros point noir. Tu vas me dire, gros point noir, en quoi c'est gênant? Pourquoi je regarde ça? Oui. Ici, welcome back! À chaque fois que je joue au jeu, j'ai ça. Check out Fav Unit Snapshot. Ah, faudra que je le fasse. Bloc 5 goals. Ah, je l'ai pas fait. Ah, ça, 5 quick chat dans le lobby. Ça, je sais faire. Ça, c'est facile. Je vais le faire pour vous. Je vais le faire devant vous. Alors. C'est là. Quick stickers. Merci de regarder ce stream. C'est un réel plaisir de vous avoir. Si vous voulez venir, n'hésitez pas. Après, faut le bon rank, sinon, bah, c'est mort. Vu que dans ce jeu, la non-ranked n'a aucun intérêt. Voilà. Donc, merci. Bonne nuit. C'est ce que je dis à la fin de chaque stream le soir, bien évidemment. Après, ma petite phrase d'outro habituelle.
Et je me dis bien évidemment à la prochaine pour un prochain streaming. Parce que je crois que je faisais pareil quand je faisais mes vidéos à l'époque. Et bah du coup j'ai gardé ça. Bonne chance quand tu lances la partie. Ce que font les gens cancer et les gens totalement legit, enfin totalement gentils. Mais le problème c'est qu'il y a tellement de cancers et qu'on ne parle plus de minorité mais de majorité de cancers. Eh bien on ne sait pas qu'est-ce qui est sincère et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais dans ta tête tu te dis ah nice, quelqu'un de gentil. Mais en réalité ce qu'ils ne savent pas c'est que oui, il n'y a que des démons dans ce jeu. Ainsi j'obtins ma récompense. Qui est d'utiliser le quick chat, sauf que évidemment ça marche dans un lobby de une personne. Paf, le gacha. Ça serait marrant, genre tu fais le gacha. Alors c'est cool parce que c'est un truc doré, mais j'ai aucune idée si c'est bien. Ça serait marrant de faire un truc en mode... ouais, on... putain, attends, il y a encore ça? 12 jours? Mais putain, quand j'ai arrêté le jeu, ça y était déjà. What the fuck? Mais ouais, ça serait rigolo de faire un truc en mode tu fais des invoques au pif comme ça avec le mode gacha. Et tu joues cette équipe-là en 1v1 contre quelqu'un. Voilà. Fin du concept. Sinon, tu fais comme Fidron, je crois qu'il avait fait un match... enfin, un épisode de la nouvelle... attends, nouvelle strat. Oui, je crois que c'est la nouvelle strat. Qu'il a arrêté d'ailleurs. Où c'était que des Pokémon de Pokémon Unite. Sauf que c'était le début du jeu parce que maintenant il y en a tellement que. Et probablement pire au but parmi les Pokémon d'ailleurs. Vu que le Pokémon est assez craqué. D'ailleurs, maintenant les passes de combat font 200 levels, on m'a dit. À l'époque, il y en avait à peine 50. Bon, jouons en toute modestie et n'insultons personne. C'est possible d'être modeste dans ce jeu, je pense pas. Ce que je te dirais dans LoL, LoL est compliqué. Unite ne l'est pas. Je pense que je vais plus comparer les jeux maintenant parce que, ayant joué un petit peu à LoL quand même ces derniers temps, très peu quand même, que en Aram, qui plus est, pas le vrai jeu de merde. C'est que mon avis. Mon avis ne compte pas pour tout. C'est comme des opinions sur des sujets récents, bien évidemment. Mais bon, ce n'est que mon opinion. Mon opinion ne signifie pas toute la majorité. Mais bon. Pourquoi je partais? Je sais pas. Je sais même pas pourquoi je dis ça. J'ai déjà oublié. Ça, c'est un truc très rigolo d'ailleurs. Tout à l'heure, on était sur Rocket League avec Daniel. On a pas mal win. Il était en mode vas-y, on était en neutre, on avait autant gagné que perdu. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais cet écran de lancement des combats, enfin de match, a changé. Et là, on voit les skins des gens. Et du coup, on me voit, moi, avec mes belles lunettes. Alors qu'avant, on voyait que les cheveux, enfin les cheveux de base et les yeux de base, mais rien d'autre. Mais c'est bien. Et même là, cet écran-là, tu vois les objets des gens et c'est là que tu vois qui tu peux pas faire confiance. Moi non plus, j'ai pas trop d'heures sur le jeu. Oui, non, mais vous... oui, non, je pense pas que vous en avez beaucoup. Peut-être, Jérémy, il en a un peu moins que toi. Mais bon. On a un Ecto scoring, mais quand même, triple objet attaque spéciale. Plus attaque, là, j'en doute. Plus attaque, c'est pas une bonne idée avec un Ecto. Ecto est trop cool, hein, en vrai. Je l'avais joué Ecto sur mon Smurf, sur mon deuxième, mon deuxième compte, on va dire. Ecto est vraiment agréable à jouer. Alors par contre, qu'est-ce qui branle nos mates? Pourquoi ils vont sur la même lane, là, le tank et le tank? Parce que Rododou, c'est un tank. Hein. En face, on a un Lugula, bon, alors je sais pas si on l'a déjà joué. Je dois être à 6000-7000 heures. Tout Pokémon confondu, c'est sûr, je dépasse. Est-ce que Minecraft tout confondu, il y a moyen. Parce que déjà, juste les FK des Picubes, j'avais 1300 heures, je crois, dessus. J'arrive pas à y croire, mais vraiment, si on n'avait pas les stats sur Epicube, sur le site d'Epicube à l'époque,
Je n'aurais jamais su que j'avais autant d'heures de jeu sur les FK. D'ailleurs, j'ai hésité ce soir à faire des FK. À faire du Minecraft, pardon. Pour évidemment le truc de guild. Pour faire des jumps ou quoi. Mais même, je suis en mode, bah, en vrai, le seul jeu multi sur lequel je peux jouer réellement et faire des choses avec des gens, bah, c'est bien sur Minecraft. Quoi. Parce que de base, ce soir, c'était une soirée multi. Mais le problème, c'est que Pokémon Unite, c'est pas un jeu que tout le monde a. C'est un jeu sur lequel je m'énerve très facilement. Et souvent, quand je joue à Unite, je suis pas chill dessus. Genre, je peux m'énerver rapidement. Ouais, Music Quiz, on en fera un tout à l'heure, je pense. Parce que c'est le seul truc multi qu'on peut faire, tu vois, sans problème. Merde. Ah, ça me fait chier, je voulais lui laisser. Oh putain, il y a un Zacian. Le mieux, c'est qu'il... Parfait. Ah, bâtard. Ah, bâtard. Je voulais lui... Je voulais l'attirer pour que moi, je l'astide son poké. Ah, du coup, je vais pas avoir mon level. Il aurait dû me le laisser, son mob. Le problème, c'est qu'on a un Zacian level 4 en face, quoi. Ok, parfait. Oh putain, j'ai pas évolué. Zacian plus vitesse, d'accord. Ok, en face, ils ont l'air chaud. Ça doit être une duo, parce que pour faire des kills... C'est quoi? C'est le Lopunny et le... Le Lopunny et le Goopix. Ouais, ils gèrent bien. Oh, ça doit être une trio avec moi. Je pense que c'est une trio parce que ça se démerde bien. En plus, on a un châtiment. Oh, trop bien. Bon, dommage qu'il ait pas continué d'attaquer. Et... Oh, je suis obligé de back, hein, par contre. Hein, j'ai pris trop cher. Ouais, je peux pas back, putain. Ouais, je suis obligé de back, j'ai pris trop de dégâts. Par contre, en vrai, si en haut il se démerde bien, ça peut être génial. Et en plus, lui, c'est un châtiment, et châtiment, c'est... C'est un scandale. Châtiment, c'est tellement puissant. Par contre, moi, je risque de passer une game très mauvaise, parce que ce qu'on affronte en lane me nerve de ouf. Zacian, c'est horrible. Chandelure, je le connais pas. Putain, je parle anglais. Eh, finalement. Eh, j'ai passé le TOEIC il y a quelques jours. Et franchement, bon, je pense pas que j'aurais 800. Si je les ai, franchement, c'est un miracle parce que j'ai pas fait d'anglais depuis plus d'un an. Mais tu as fait Rosetta Stone ? Hein ? Ah, c'est quoi ? S'entraîner en ligne ? Qui fait ça ? Mort, 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 mort. Alors, il est où l'autre ? Que j'ai mon cooldown, hein. Bah, 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 bah. Je l'ai pas tué. Ok, parfait. Lui, il a mis ses points. Ah, ça doit être un stack. Par contre, il fait des dégâts de malade, lui, hein. Et en plus, il tank. Pour un attaquant, il tank de ouf. J'ai l'impression de lui mettre zéro dégâts. Bon, pour que lui joue scoring, j'espère c'est un stack au moins. Waouh. Alors, je sais pas si c'est nos dégâts cumulés qui ont fait autant de dégâts. Non, mon archéduc a l'air d'être bon. Hein. Après, le mec, il a confiance. Hein. Pour prendre archéduc en lane, c'est qu'il a confiance. Le problème, c'est qu'on n'a pas une lane tanky du tout. On a aucune front. Ils ont l'air d'être giga chaud, par contre. Hein. Les mecs du top, ils ont l'air d'être chaud. Alors pour moi, le Gyrox, c'est une mauvaise idée. Là, on a un Lastite et un bon poké qui suit moi. On aura fait bien, mais c'est assez compliqué. Qui j'ai ITM ? Alors, qu'est-ce que j'ai ITM ? Bah, d'accord, mais merci pour ce kill. Bah là, il est mort. Et là, ça se passe comment ? Ah, dommage. Ah mais lui il tank trop par contre, c'est nimp. Hein. Ok, triple kill au top. Ouais, en vrai si on force on tue. Hein. Mais moi j'ai peur, il me fait mal. Oh vas-y le gros doudou. Est-ce que c'est un roulade?
lui il est mort. Ok, moi là je peux foncer. Allez viens Zacian, s'il te plaît. Ah oui, bah moi quand je peux utiliser mon... Moi dès que je mets un kill, je mets trop de dégâts. C'est pour ça que j'adore Storm Power, parce que dès que tu fais un kill, c'est tellement plus puissant. C'est tellement de dégâts. Ok, donc c'est un dodo. La majeure internationale, vu qu'anglais c'est aise. Ah ouais, ouais, de ouf. Non mais en vrai, ça c'est, je sais pas, le Twic, quand on l'a tous passé en même temps, enfin franchement c'était... J'ai senti que j'avais pas réussi, je comprenais pas. Mais là, à part vraiment trois trucs d'oral où vraiment je n'ai... Enfin le mec mâchait ses mots et je n'ai littéralement pas pu discerner un seul mot. Franchement ça allait. Et même la partie écrite c'était bien. Enfin je la sens bien. Donc je sais que j'aurai plus que la dernière fois. Même si moi je suis une bille en anglais, hein. Enfin je m'en suis toujours foutu. Ça m'a jamais intéressé l'anglais. Bon là j'ai pas ulti. Alors lui il a totalement ulti dans lui par contre. Alors là par contre j'ai fait de la merde. Ouais j'ai pris trop de dégâts pour rien. Ça fait... Ouais non, eux c'est difficile hein. Oh belle ult en vrai. Ouais là par contre faut se barrer. Ouais faut se barrer. On a un archiduc après hein. Moi je peux pas. Ah putain, ça me ferait chier qu'il crève. Ok, bon, au moins je l'ai vengé. J'ai récupéré les buffs. Oh là là, il est level combien le... Ah ça m'aurait fait chier de lui donner skin. Ah j'aurais dû sauter en haut. Après il y a tout le monde en haut, ça va ult je pense. Même pas. Il est trop fort. Notre archiduc c'est le bro de la game. Genre le gars joue bien son poké, le gars joue stack je crois. Il place bien ses flèches. C'est trop dommage qu'il soit mort contre le pyro, mais pyro a toujours été craqué de toute façon. Merci pour ce... Pardon. Ok, je connaissais pas cette ulti. Ouais pyro but il fait trop mal. En plus il joue potion. Ouais je suis obligé de le laisser. Hein. De toute façon il... De toute façon, il pète pour mettre 5 points de value, bah les couilles. Oh merde! Oh putain, je l'avais pas vu. C'est quoi ça? C'est son ult? Mais c'est quoi leur problème à ulti dans le vide là tout le temps? En plus, t'es mort, bro. Ah, ça me donne trop envie de jouer Archiduc. Parce que je sais qu'avec Mentali j'aurai forcément des bonnes games. Mais le truc c'est, en vrai je m'amuse hein, avec ces pokés. Mais le problème c'est que je sais que je vais win. Je sais que je vais win la plupart de mes fights. Non mais il joue trop bien l'archiduc. Quel bro. Non il joue trop bien cet archiduc, il est génial. On a eu les deux régies en plus. Au top ils ont trop bien défendu leur lane. Ouais vas-y va mettre tes 36 points. Moi j'attends le chaîne de lui. Oh. Allez vas-y c'est le moment. Non. Ok putain j'ai cru qu'il allait me taper le Rayquaza, j'ai eu peur. Bon le Zacian je sais pas ce qu'il branle. Bon, free win. Oh. Tellement free win, quel plaisir ce genre de team. Il n'y avait pas un mauvais mate. Ils étaient tous bons. On n'avait pas un mauvais mate dans cette partie. Alors par contre... Ouais, on va plutôt aller... On va plutôt aller en haut. Vas-y. Battons-nous tous ensemble. Moi j'ai encore mon shield hein.
Moi je me permets de rester parce que là c'est free hein. Oh l'esquive de l'ulti. Oh le Zacian. Allez viens, 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 viens. Je sais pas si ça ralentit ça. Allez, tu restes ici. Voilà. Avec mon bro archiduc là. C'est Monsieur Dibou. Ah, c'est Edwidge. Quelle histoire d'amour. Putain, waouh. Alors, je crois que même en master à 1800 d'Elo, ce n'est jamais arrivé qu'il n'y ait pas un mauvais teammate dans ma team comme ça. Vraiment, c'est... À quel point pour dire c'est unique ce qui vient d'arriver. Je n'avais pas un mauvais mate. Évidemment, j'aimerais te dire par contre qui est le MVP. En toute modestie. Non, ils étaient tous bien mes mates. Il n'y avait pas un de mauvais. Lui, il mettait ses flèches, il jouait bien à distance, c'était parfait. On avait une front, malheureusement, qui n'était pas avec nous pendant la plupart de la game. Mais quand ils étaient là, ils étaient là. Notre Ecto qui a pas tant de kills, mais quand même, il faisait, je te dirais, il faisait son taf d'Ecto. Pour moi, il n'a pas donné de kills inutiles et tout. Je sais même pas si je suis mort dans cette game. J'ai pas souvenir d'être mort. Même la game précédente, je suis mort. Mais je te dirais, c'est une bonne game. Si les attaquants ne meurent pas, c'est que c'est une bonne game. Mon archiduc, j'ai pas souvenir d'avoir vu KO. Moi, j'ai aucun souvenir d'être mort. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure d'ailleurs. Tout à l'heure quand on jouait à Rocket League avec Danilo, mais il y avait des games qu'on perdait. On était en... On avait autant de wins que de défaites. Et Danilo, il était en mode, vas-y, dernière game, si... Enfin, si on perd, c'est la dernière game. Et on en a genre gagné 3 ou 4 à la suite quand il a dit ça. Et mais avant ça... des games qu'on perdait, j'étais en mode mais je sais même pas comment on perd les games, je me souviens même pas des buts qu'ils nous mettent. C'est vraiment Alzheimer mais de fou. Vraiment, dans Rocket League, de temps en temps, il y a des buts tellement de... Enfin je sais pas, tu te souviens même pas des buts de tes adversaires. À un moment on a perdu une game 2-1, j'étais persuadé qu'on avait gagné, enfin 1-0. Parce que je me souvenais pas qu'ils avaient marqué en face. Alors que non, pendant presque tout le match, on perdait. En fait, je crois que les mecs, ils nous ont marqué dès le début. Mais j'avais totalement oublié. Et là, je vois le timer qui arrive à la fin. J'étais en mode, let's go, on win. Et là, non, on perdait. On s'est pris deux buts. Quand est-ce qu'on s'est pris deux buts? Ah, est-ce qu'on a encore notre archiduc? Ouais, il veut aller au bot, c'est peut-être le même archiduc. Putain, il n'a pas de pseudo. Mon archiduc, avant, il avait un pseudo. Attends, je vais aller sur Unite API en espérant que le site existe. En espérant que le site existe. Ival. Putain, le Pokémon qui a le meilleur win rate, c'est Noctali. Sinon, tous les autres, ils sont vers les 50. Et mon archiduc... Ah, mais on peut voir qu'il était en groupe. Le Mamochon Electo était en groupe. D'accord, j'aurais pas du tout dit ça. Et l'archiduc avait un pseudo, donc non, c'était pas le même. Et c'était quoi son set? C'était quoi son set sur son archiduc? Non, c'est pas l'archiduc d'en face non plus. Putain, il a pas tant de game que ça, hein. Et archiduc... Ah, mais c'est un smurf. Après, 60% de winrate, c'est pas non plus... sur un smurf, ouais, ça devait être un smurf. Le mec a trop peu de game. Mais ouais, là, il a pas de pseudo, l'archiduc, c'est trop bizarre. Que si t'as... Je sais plus si le compte Unite est lié à ton compte Nintendo. Parce que je sais pas si je m'appelle Lival comme ça ou Lival avec un U sur mon compte. Je sais pas du tout. Bref, on est avec Totoro et encore un Zacian. Non mais le Poké doit être... Enfin, le Poké est fort encore, mais... Mais oui, il est en dessous de... Il y a plus sa grandeur d'antan. Déjà que c'est un légendaire de version qu'il a rien à foutre en tant que Pokémon jouable, mais... Attends, c'est une triple évolie ? Oh, c'est vrai qu'on peut Penta Evoli maintenant. On a qui? On a Givrali, Filali et Mentali qui sont vraiment... En vrai, toutes les évolutions elles sont fortes. Hein. Mentali, on n'en voit plus, mais... Les gars, croyez-moi. Croyez-moi le Poké. Il est fort. Givrali n'a... Ah. Je suis un monstre. Je lui ai... Après, si je joue stack... Si je joue stack... Ouais, normalement, je vais pouvoir mettre mes trucs. Oh, tu mets très bien Grenousse par contre.
Ouais, par contre, je vais probablement pas rentrer en vie. Si, il a raté ses moves. Oh, let's go. Bon, par contre, faut pas lui laisser ça. Putain, en vrai, ça m'est giga bien. Normalement, je le tue. Hein. Oh, ça m'est tellement bien que j'ai pu caler mon attaque. Bon, je vais lui laisser le mob. Faut qu'il évolue. Ah, dommage. Oh, le jungler. Ah, il focus. Hein. Ok. Le problème, c'est que... Ah ouais, on est pas bien pour l'élastique, non. Alors qu'en face, ils ont que ça. Oh, toi, tu forces trop, par contre. Hein. Ah si, c'est bon, je l'ai. Alors, back, bro. Ah, là, tu mets pas très bien. Ouais, je t'avoue, il me fait peur. Hein. Normalement, je le tue. Hein. Pas tant. Qui l'a eu, notre jungler, du coup? Oh, toi, t'es mort. Ah, même lui s'il vient, c'est chaud. Hein. Ouais, il peut pas nous battre. Mec, on est la trivie. On est la trivie là. Ah, il en a tué un déjà. Normalement là il crève par contre. Ouais, par contre là faut se barrer. Hein. Moi je le tue, mais le problème ouais c'est qu'il met un kill. Je fais des dégâts, mais malheureusement je ne suis pas un tank, je ne peux pas protéger mes mates non plus. C'est étonnant qu'avec le taf que je fais, ouais. Avec mon taf actuel, que j'ai seulement mon level 8. Parce que le jungler, je l'ai tué deux fois quand même. Hein. Franchement, ouais, je vais rester en bas, hein. J'ai mon ult. Ouais, voilà. Ils peuvent pas me battre. J'ai mon ulti. Ouais, le seul moyen pour eux, ce serait de faire Registeel. Sauf que le problème, c'est que les chances que je l'ai sont tellement élevées par rapport à eux. Enfin, ouais, ils sont. Oh, ils sont trois! Bon, toi. Vas-y, on va se débarrasser d'eux. Alors je suis un peu deck parce que l'autre je l'ai pas eu. Je sais pas où il est le... Ah bah il est là. Il veut nous offrir un kill. Ah par contre faut pas l'ignorer. Hein. Voilà. On a quand même dû caler deux ults, hein, ce qui prouve que Azumarill est toujours craqué comme poké. Ce poké a toujours été fort, hein. Depuis qu'il est sorti, il a jamais été mauvais. Comme certains polyvalents, il y a des polyvalents dans le jeu, ils ont toujours été beaucoup trop puissants. Ah, par contre lui il a évolué. Le problème c'est qu'il nous bat. Hein. Ok. Oh toi t'es mort. Et ça y est, je suis stuck. J'ai vu là, il y en a un là. Il est où? Ouais, il va multi. Je suis obligé de l'ulti. Ça casse les couilles, le poké est trop fort. Le poké est trop fort, genre même avec de l'avance. Suffit d'ulti pour gagner, c'est un verre. Du coup, il a force à mieux. Trop chiant. Oh là là, quand je peux. Bah vraiment, c'est Future Sight, The Stored Power. Alors lui, c'est un mal, là, par contre. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Ouais, moi, dès l'instant où je mets un kill, normalement, je suis. Si c'est moi qui ai tous les last hits. Franchement, ouais, là, c'est une game, on a envie de s'amuser. On voit que ça se passe tellement bien.
Oh ouais, non mais... Offre-toi toujours plus, hein. Je crois qu'il meurt de moi, non? Oh la chatte. Attends, on va aider le collègue. Non, c'est bon. Bah, par contre, le fait de se battre, bah... On a totalement délaissé un objectif. Et là, le problème, c'est que je vais aller en bas. Lui, il va multi, c'est quasi sûr. J'aimerais bien qu'il se batte. Il est où? Je sais pas s'il m'a vu. J'aimerais bien qu'il soit à ma portée là. Là au moins je lui fais peur. Ah, il va se régène ce bâtard. Ah, fais chier putain. Ouais, je vais me barrer un peu. Je suis là pour surveiller moi. Ouais, vas-y, en vrai. Je vais le déloger. Par contre, ils auraient jamais dû score, parce que là, on est malin. Hop, un archer du camp moins. Allez. Un autre ulti en moins. Et le flaga, il vient d'ulti. Parfait. Là, ils viennent de perdre plein d'ulti pour rien. Ils en ont perdu 3, non? L'archiduc, il a pas ult, non. L'amphi, il le récupérera pas à moins de farmer. Le flaga, c'est impossible. Et heureusement que ce soit un flaga, parce que l'ulti flaga est insupportable. Et j'ai 15 kills, putain, waouh. Et le Greninja, 0 en face. Ah, c'est un peu relou. L'Azumarill, c'est le plus puissant de son équipe, hein, vraiment. C'est le meilleur joueur de leur équipe. C'est le seul qui fait un bon taf. Ouais, je vais les aider. Hein. Ah putain, ils sont score. Ouais, c'est chiant. Je vais sauter, mais ça sert à rien. S'il te plaît, s'il te plaît. Parfait. Parce que là, c'est free kill. Ouais, parfait, débarrassons-nous de lui, ça dégage de la racaille. Ils ont 3 morts, on a un archiduc en rego. Hein. Lui il a pas son ulti donc c'est pas un danger. Ah si, putain il a la récup. Il l'a eu je crois. Non, on l'a eu. Ah ouais, mais vous voyez les dégâts monstres que je fais là. Voilà. C'est dès que je mets un kill. C'est dès que je mets un kill, en fait, je peux spammer mes sorts. C'est trop craqué. C'est comme le surf d'Amphinobi. Si sur un surf, il met un kill, t'enchaînes. C'est nimp. Et personne ne joue Mentali. Après, si ça se trouve, je pense que le poké est très fort, mais qu'en solo queue. Slash duo, slash trio. En penta, je pense pas qu'il soit très pertinent Mentali. Non bah cool hein, cool la team, sauf toi. Mais bon, le poké fout tellement une pression de malade, parce qu'il m'a semblé qu'il était pas mal et pourtant, il y a que lui qui a réellement fait des dégâts. En face, il y a lui qui était chiant et c'est tout quoi. Non mais c'est juste les polyvalents, enfin... Pas de Chifourse, je suis assez étonné de pas avoir vu de Chifourse. Le poké je le trouve tellement craqué, enfin... Pareil, c'est comme Zacian, depuis que... Et comme Zacian et Azumarill. C'est un scandale à quel point ces Pokémon sont craqués. Mais ils ont jamais été mauvais pour moi, vraiment. Après, moi, je suis un joueur surtout solo queue. La team, ça m'a trop traumatisé. Mais que ce soit à cause de mes mates ou mes adversaires. Ouais, le mieux en fait, ça serait de jouer genre en duo slash trio. Et de jouer avec des gens... Pas des crabaraks qui ont 2 items sur le crabarak, quoi. Et qui foncent pas dans les murs. Ça c'est le genre d'allié que je veux pas, tu vois. Est-ce que j'aurai une occasion de jouer Noctali? En bref, faut que je le joue maintenant.
Bah là, je suis sur une série de win. Vas-y, on va tenter Noctali. Donc, aboiement, tricherie, me semble-t-il. Et je le joue ces items-là parce que je savais pas quoi le jouer. Du coup, je le set, emblème attaque, potion parce que j'aime bien les tanks avec la potion, bandeau parce que c'est un tank. Et après, ouais, on m'avait dit griffe rasoir. Et après, j'ai mis la vulnée parce que les tanks qui font des dégâts, ils aiment bien la vulnée assurance. Et c'est encore une trivi. Et on a un Noctali, on a un Mentali. Moi, je suis content de voir que toutes les évolutions sont jouables. Toutes les évolutions sont fortes en plus. Encore une fois, en team, je ne sais pas, mais en solo et compagnie, c'est ouais, c'est fort. Regarde, même en face, on a les deux évolutions les plus récentes. Le problème, c'est que Noctali, je sais pas encore de quoi il est capable. Et là, vu les adversaires en face, je me dis que ça aurait été un peu chiant de jouer avec Mentali en vrai. Mais bon. Noctali, j'ai eu un bon feeling sur la seule game que j'ai faite. Donc écoute, on va le tester. Je joue pas stack, donc ça faut pas que je l'oublie. Et on joue avec des ultras. Ah, moi j'attends la game avec 5 évolutions. Mais il faudrait une évolution support. Mais le problème c'est que peut pas y en avoir quoi. À part potentiellement Aquali, mais Aquali est un tank pour moi. Je le trouve tellement fort. Les volis Noctali, je le trouve tellement fort. Ouais, il joue potion aussi. Bon, je vais peut-être éviter d'utiliser mon bandeau sur ça. Alors ça serait bien que tu me le laisses par contre. Ah, c'est chiant que ce soit le garde-voir qui est pris. Parfait, full play. Donc full play, c'est tricherie. Et si je touche, c'est deux dash qui repoussent. Et si sur mon premier dash je touche un truc, bah j'en ai un deuxième. Donc ça veut dire que je peux ramener des gens. C'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. Ah, je suis passé à travers lui. Et ma deuxième attaque, je sais plus ce que c'est. Je crois que ça ralentit. J'aimerais bien amener le Tarsal. Ah merde, on me voit. J'aimerais beaucoup la tirer, mais c'est compliqué. Et toi, va faire ta jungle. Hein. Non mais... Barre-toi. Tu nous prends notre... Ah, mais c'est pas lui le jungler. Ils se sont battus pour la jungle, j'avais pas vu. J'avais pas vu qu'ils se sont battus pour la jungle. C'est pour ça. Bon, lui, le fait qu'il ait le farm tranquillomite, c'est cool. Le mieux, ce serait que j'aille l'aider, mais il a l'air d'être ok. Bah, en haut, c'est la merde. Alors, Snarl, du coup. Et ça ralentit et ça stun à la fin. C'est vrai. Je vais me barrer, hein, ça sert à rien. Ok, notre pyro qui a pu un peu XP. Et le truc à faire, c'est... Tu envoies ton Snarl, tu fais une première tricherie, ton Snarl explose, et tu envoies ta deuxième tricherie. Parce que tu peux pas auto-attaque, je crois, quand t'es comme ça. Ouais, tu peux pas. Par contre, tu peux envoyer ton tricherie. Alors par contre, faut pas l'éloigner quand... C'est pas comme ça que ça marche. Bon, on se fait éclater en haut. On va se le faire prendre, hein, je pense.
Je l'ai eu. Je crois que je l'ai eu. Évidemment. J'aimerais vous dire qui joue ce Noctalie. Qui est le joueur actuellement de ce monde? Je crois que c'est moi, je suis pas sûr. Est-ce que c'est bon pour vous? Bon, par contre, je me suis barré un peu pour rien. Triple kill au top. Kill. Stun, stun, stun. Ah, le premier ne stun pas, je crois. Est-ce que tu stun là? Non, ça stun pas. Stun, stun. Mais si tu gères bien les timings, tu peux l'avoir stun longtemps. Et c'est ça l'une des forces de ce poké. Vas-y, je vais les aider. Et ça, ça vole les shields et ça fait des grosses tatanes. Faut l'utiliser après. La force de l'ult de Noctalie, c'est qu'il vole les shields. Mais le problème, c'est que moi, je vais l'utiliser comme n'importe quel ult pour les dégâts, quoi. Il faut pas que j'ai le réflexe de l'utiliser comme ça. Ok. C'est un garde-voir comme ça. Ouais, le garde-voir, je l'ai pas vu depuis tout à l'heure. Putain, bizarrement, mes games, elles sont moins passionnantes. Oh putain. Oh, les sauts qui tapent, lui, c'est n'importe. Ah, il doit avoir un anti-stun, son talent, j'ai pas fait gaffe. Ouais. Oh ouais, ça sert à rien. Oh là 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 là, le top. Oh oui, on l'a tous vu là. On l'a tous vu que c'était la merde. Wouah. On les a dépop. Alors je sais pas grâce à quoi. Moi je sais que j'ai mis des bons dégâts dans le tas. On a quoi comme mentali? Ah non, j'aurais cru qu'on ait un mentali. Ah, c'est tellement mieux de fermer les mobs avec un Noctali par contre. Enfin, j'aurais cru qu'on ait un mentali qui a le rebondi. Pas le rebondi feu mais. L'attaque qui rebondit. Le laser qui rebondit. C'est très fort ça. Hein. Putain, quand tout le monde est stacké là, le laser il rebondit sur tout le monde. On check les bush. Ouais, bah il need backup, hein, vas-y. Et je m'aidais beaucoup quand même. Hein. Et ça peut servir de last hit. Si à l'explosion de mon snarl. Et pour mon deuxième full play, je peux mettre des bons dégâts quand même. Le problème, c'est qu'il se régène trop, quoi. Se battre sur une tour avec un Octali, c'est débile. Là, faut qu'on se barre, tu vois. Ça sert à rien. Je sais pas pourquoi ils veulent se battre contre un Octali. Voilà, vous forcez, vous pouvez pas me battre par contre. Vous pouvez pas me tuer, les gars. Alors, si tu mutes, ça c'est autre chose. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup là? Allez. Il y avait au moins un kill dans le tas à faire, donc ça valait le coup. J'aimerais vous dire que je suis pixel. Hein. Putain, après tout ce que j'ai fait... Putain, je suis vivant. Oh le con. Oh le CDF que je viens de faire là, le combat de fou. Oh là là, j'ai survécu. Oh là là, mais quel combat! Et j'ai survécu à cette bataille! Oh là là, incroyable! Putain, ma potion, elle a... Putain, mon ulti, je l'ai vraiment utilisé au bon moment. Quand j'allais crever, ça m'a permis de faire un kill et tout. Oh, let's go! Oh merde, je l'ai pas esquivé!
par contre là je risque de crever. Elle veut aller sur ma tour. Ok. Let's go. Parfait. Oh. Ok. Je pense qu'on a vu que Noctalie était fort. Je pense qu'on a vu dans cette game, les gars, que Noctalie avait un petit potentiel. Last hit. Last hit. Vous avez vu les Pokémon qu'il y a, hein ? J'ai plus Last hit. Bon, par contre... Faut back. Je pense... Oh, quoique, en vrai, ça sert à rien. Il reste 10 secondes. Oh, let's go. Je l'ai mis KO. Eh, franchement, j'ai eu une game clean. Je viens de passer vétéran. Ah bah, je crois qu'on peut jouer. Je sais plus ce que ça vaut. Bah, ce que j'affronte, concrètement... Eh, je suis trop content de cette game. Elle a... Oh, je méritais le... Oh, le voleur de Cisaiox. Je méritais tellement le MVP dans cette game. Mais oui, je le méritais tellement le MVP. Il m'a volé mon MVP parce qu'il a juste plus se scorer. Oh là là. Franchement, j'ai... Oh ouais, ma game était trop bien en vrai. Ah, mais je suis trop content du combat de fin là. J'étais 1v4. Il y avait juste un mec qui était avec moi qui crevait. Un autre qui venait qui crevait. Et ouais, à part le Flagados, c'est intuable un Flagados. J'ai buté tout le monde. Hein. Enfin, j'ai buté tout le monde. On était deux, mais... Putain, quelle dinguerie cette game. Wow, wow, wow. Bon, je reviens, je vais à l'endroit qui me permet de ne plus bouger partout parce que j'ai envie d'aller aux toilettes. Quel game de zinzin. Noctali, trop cool. Et là, c'est ma deuxième game. Et on aurait dit que je le jouais pas depuis deux games. Surtout que Noctali, j'ai jamais vu de gameplay de ce Poké. J'avais déjà arrêté le jeu et arrêté de suivre des vidéos. Enfin, Noctali, je le connaissais pas, vraiment. J'ai demandé la dernière fois à Léonard, ouais, Noctali, faut le jouer avec quoi? Il m'a dit, ouais, tricherie, c'est pas mal. Du coup, j'ai pris tricherie. Et après, ouais, faut prendre quoi après? Ah. Bah on va jouer Noctali, je crois. Ouais, faut jouer quoi après? Aboiement. Et au début de la game, ouais, Noctali, je crois, il joue physique, non? Ouais, je vais le mettre Stuff Attack, je vais lui mettre Symbre d'eau vu que c'est un tank. Griffe Rasoir? Vas-y, Griffe Rasoir. Je suis un peu un... Je suis un main évolution, hein. Vraiment. Avant, il y avait Nymphalie, Mentali que je jouais beaucoup. D'ailleurs, en vrai, je pense que si on regarde mes dernières games, je joue presque que E2. Enfin, que Mentali maintenant surtout. Mais Noctali rejoint le gang des évolutions. Et pourtant, j'en ai rien à foutre de Noctali. Je l'aime beaucoup, hein. J'en ai rien à foutre de ce Poké. Comme Nymphali, j'en ai rien à foutre. Mentali, Givrali, Félai, c'est mes trois évolutions préférées. Mais Noctali va rejoindre le clan. En vrai, si on regarde des évolutions, je pense que ça doit être ma quatrième préférée, Noctali. Ce qui est très triste, ouais, c'est que Givrali, j'aime pas son gameplay dans le jeu. J'aime pas Givrali. À le jouer, j'ai essayé.
J'y arrive pas. Et ouais, Mentali, Noctali, Nymphali, très cool. Franchement, hyper à l'aise avec les pokés, mais enfin dès la première game. Moi, les pokés que j'aime, c'est les pokés avec lesquels je suis à l'aise dès la première game. Ah, Givrali, c'est vraiment mon évolution préférée. Hein. J'ai des cartes... J'ai les cartes Pokémon, j'ai la peluche... Alors, je sais plus si j'ai dit que j'allais au bot. Ah si, enfin, il m'a foutu un doute, le Mentali. Comment ça se... Ah putain, il joue... Ah, faut qu'il me laisse les mobs, par contre. Non mais, bro, il a tout pris, tu joues multi-exp. Tu joues multi-exp, ça ne sert à rien. Mais, il a tout pris. Tu joues multi-exp. Ah, j'ai du lag dans cette game, non? Putain, il a déjà fini. Oh, lui, il est nul. Oh, lui, il est nul. Oh, le Zera, il est mauvais. Non, mais les tatanes que je mette, par contre. Il faut qu'il stack, lui. Hein. Il a gank tellement la bonne lane, lui, par contre. Ah, mais il stack pas, faut qu'il stack. Hein. Non mais mec, ça a à peine démarré, on a presque pété la laine. Ah merde, j'ai pas vu, je lui avais tout pris. Après il veut pas stack, hein. Fait un effort. Et que... Par contre fais ta jungle bro, enfin je suis le tank et c'est moi qui ai le plus haut level de l'équipe. Je vais atteindre mon level 9, je pense. Ah, ils doivent jouer en équipe, c'est pour ça. Bon, je vais faire la jungle. Le Blanco... Le problème, ouais, c'est que c'est un... C'est un Blanco... Est-ce qu'il est DPS ? Son 7, c'est mon 7 DPS, donc on sait jamais. Le problème, c'est qu'il abandonne la lane. Je pense qu'on va jouer full top. Hein. Oh, il y a un Comfy avec lui. Vas-y, il faut se débarrasser de la racaille. Hein. Là, ils se disent « Un Noctali qui est jungler, c'est n'importe quoi !» Bro, mon jungle, il fait pas la jungle. Non, mais par contre, on m'a dit, hein. Par contre, Léonard, il m'a prévu. Noctali est craqué as fuck. Le poké peut tout faire. Le poké a littéralement tous les rôles. Ça m'embête qu'il fasse pas la jungle. Hein. Gazerir, mais bro, fais la jungle. Attends. Mais non. Mais non, ça nous donne des auto-attaques. Mais non. Après un dash, ça te donne une auto-attaque chargée. Mais c'est... Oh. Non mais... Enfin, il va se faire nerf. Je pense que Noctali va se faire nerf, par contre. Mais putain, étoile, par contre, je viens de voir ton message. Désolé, c'est un pavé, je ne vais pas le lire tout de suite. Mais bonsoir, mais bienvenue sur ce stream, ça fait longtemps. Paf. Alors, j'aimerais bien... Let's go. Si tu stack pas, alors le fait que ton sup prenne les mobs, eh bien il te donne XP, un petit bonus quand tu es assez proche de lui au moment de l'élastique. Oui, j'ai vu, mais
Pour moi, le fait qu'ils prennent les mobs, ça vaut pas le coup. S'ils jouent le multi-ex, on profite moins d'XP, non? Parce que j'ai vu que je prenais beaucoup d'XP grâce à son multi-ex, mais je sais pas. Enfin bref. Bonsoir et bienvenue sur ce nouveau streaming. Ça fait très longtemps que je t'ai vu. Oh oh. Ah ouais. Ah ouais, rien à foutre. Bon, un ulti dans le vent. Par contre, ce qui m'embête, ouais, c'est que bah, du coup, il prend la jungle. Parce que l'autre, on ne la fait pas. Ah, mais il a le comfif. Ah non, faut pas que je gêne, ça sert à rien. Ah là, le problème, c'est que ma team est troll, hein. Je sais pas ce qu'ils foutent. Mais ouais, ça fait longtemps que j'ai fait du Unite, ce qui plus est en stream. Hein. C'est vrai qu'il est à niveau 9 son ult maintenant, lui. Ça me fume à quel point il est nul, ce Zera, par contre. Non, mais les dégâts de mon sprint, il fait. Mais vraiment, c'est t'as du heal, t'as des gros dégâts. Ah mais on a pété toutes les bases. T'as du stun, t'as tout. Oh, t'as tout. Non mais le poké est craqué. Mais là le problème c'est que c'est un tank. C'est un tank. Un tank n'est pas censé être aussi fort en dégâts purs. En stun, ok tu vois. Mais pas en dégâts. Genre je te dirais qu'il fasse le même taf, ouais, mais pas avec autant de dégâts. Regarde, j'ai 8 kills. Putain, on avait un Nigozi. Je savais même pas qu'on avait un Nigozi. C'est étonnant que le Mentali, il est à 88 là. Moi j'ai que 81, c'est étonnant. Pro Krakos. Hein. Quoi? Oh ça veut dire que j'ai eu des lastites. Putain, j'ai que 23 000 dégâts. Après, il a Mentali, c'est facile. Mentali, c'est fort. Facile. Moi aussi, je peux faire ça. Mais il m'a pris mon Mentali. Moi, je voulais jouer Mentali. Non, en vrai, je pense que je vais mono Noctali. Hein. Début du stream, j'ai fait que du Mentali. Je suis passé à Noctali, ça y est. Hein. J'ai quitté la lumière pour rejoindre les ténèbres. Hein. D'ailleurs, j'ai commencé la partie 2 de la saison finale de Bleach. Et putain, Ryu, c'est vraiment un Sasuke. Hein. Sauf que lui, il quitte le village vraiment pour rien, quoi. Enfin, bref. En plus, il a la voix de Sasuke. C'est le doubleur de Sasuke au Japon. Oh là là. Ichigo, il est stylé, je dis pas, mais Ryu... Sasuke est mieux, quoi. En plus, il parle allemand, Ryu. Qui aime les Allemands? Non, moi je suis Noctali. Oh non, par contre, j'espère que j'ai pas le Zera Aura de la game d'avant. Oh putain. Oh, j'ai trop peur que ce soit le Zera Aura de la game d'avant. Je vais vérifier tout de suite. Le Zera de la game d'avant, enfin, il était nul. Hein. Le mec servait à rien. Par pitié, nous avons pas le même Zera. C'était quoi son pseudo avant? Son pseudo c'était Amadavi. Et là on a Demon King. C'est un truc de fou d'avoir deux Zera de suite. Mais Mentali, je suis assez étonné d'en voir encore. Je pensais pas. Parce qu'on m'avait dit, ouais, le Poké était salement nerf, mais pas le set d'attaque que je joue. Alors qu'est-ce qu'on a en face de casse-couille? On a Mamochon. En vrai, ils sont tous chiants. Il y a Mamochon qui est un stunner insupportable. Et à côté, on a trois polyvalents. Sucraine qui a été fort extrêmement longtemps. Le Poké est peut-être encore très fort, mais je ne sais pas du tout. Parce que je ne vois pas. Même avant d'arrêter le jeu, vous voyez plus de Sucraine. Mais le Poké était chiant, le Poké était fort. Cizayox par contre insupportable. Hein. Trop chiant. Son attaque, bah, de toute façon c'est la seule hein, si c'est un Cizayox. Où il te saute dessus là. Oh, trop chiant. Dracofeu a été fort. Dracofeu, c'était le Kershakrok du début du jeu. Et on a encore un petit Eldegoss avec nous. J'espère c'est un... Ouais, c'est un multi-exp. Sur ma lane en plus. Ouais, en fait, que ce soit moi ou lui qui... Enfin, j'ai l'impression de gagner vraiment plus d'XP par contre si c'est moi qui ai le last hit.
qu'il veut faire lui ou... En vrai on peut hein. Comme ça moi j'évolue presque. Merci. Juste merci. En espérant qu'il nous ait pas pris une autre. Non. Ah il est en lane. Oh toi t'es mort. Vas-y on va te faire évoluer. Je suis désolé. Pourquoi il a pas évolué? En vrai faut qu'il score hein. Voilà. On est d'accord, je lui ai envoyé dessus là. Ok. On peut pas perdre. Oh, ensemble on est tellement puissant. Tu es mon ami. J'adore Blancoton. Franchement, Pokémon. Un des Pokémon les plus OZEV de épée bouclier. Mais putain, qu'est-ce que je kiffe Blancoton dans Unite. C'est vraiment, je crois, le seul support que j'ai vraiment kiffé jouer, mais tout le temps. Le Poké est juste trop fort. Bon, je me permets d'aller au centre. Non, mais tu restes, hein. La Bretagne, tu l'aimes ou tu la quittes? Alors, est-ce qu'au centre, personne? Non, donc je vais essayer de choper mon outil sur ça. Non, mais regarde les dégâts que je mets. Ah, c'est peut-être Tricherie Plus qui me donne une auto-attaque boostée. Parce que là, j'en ai pas eu. Ah, j'attendais qu'il vienne. Merde, j'ai mal géré mes timings. Ah ouais, on tue hein. Ah parfait, elle lui rate son attaque. Moi je vais choper mon œuf. Parfait. Lui risque d'évoluer sur ça. GG Zera, il me semble qu'il l'a eu, ouais. En haut, parfait. Ça se passe bien, ça se passe trop bien. Mon poké est craqué, on a un bon allié. Allons aider. Oh putain, oh, j'ai failli ulti. Je suis niveau 10. Comment ça se fait? Enfin, regardez les dégâts que je fais. Enfin, je suis un tank, quoi. Ouais, ça devrait aller. Putain, on a encore un Nicosier dans l'équipe. La vitesse à laquelle je fais ces mobs alors qu'avec... Ouais, je fais 800 sur le retour, c'est n'importe quoi. Oh. Je fais 800 avec la tricherie retour, c'est immense. Je suis un tank. C'est un dash en plus, enfin. Ouais, vu les dégâts sur Négosier, Sucrène, je sens il a bien perdu quand même. En plus, les cooldowns. Il y a que. Il y a quoi? Ça doit être 4 secondes et demie de cooldown sur Tricherie? Sachant que t'en as un double, c'est trop fort. Ouais, il va se faire nerf, c'est impossible. L'autre set, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais c'est sûr, il va se faire nerf. En bas, en vrai, il y a un Négosier. Hein. Un Négosier sur tour ne peut pas perdre. Ouais, il a ulti. Ça m'étonne pas. J'ai des cracks, j'ai des cracks, genre, j'ai des mates, ils sont forts.
J'ai des supports avec moi, j'ai des mecs qui... Enfin, comment on peut perdre? Putain, c'est chaud quand même là d'enchaîner autant de games avec que des bons alliés. Ah, Nigosi, il doit avoir des dégâts. Même pas. Oh, en face. Ah, mais en face, les mecs, ils ont même pas joué leur game, quoi. On était tous level 10 et 11. En face, il y avait des level 8. Rai, sacré Noctali, hein. Rai, déboîte, hein. D'ailleurs, j'ai monté ultra, là, non? Putain, dire que... Putain, j'ai déjà oublié si c'était avant-hier ou hier. Quand est-ce que j'évoque? C'était le 6. Ah oui, donc c'était avant-hier. Avant-hier, j'ai joué, ça faisait... Je sais pas combien de temps que j'avais joué. J'ai raté une saison entière. Et si je perdais ma game, je passais sur le 3ème rank. Et je perdais le spécialiste. J'ai pas encore perdu pour l'instant. Il y a une game qu'on a failli perdre, mais parce qu'on avait, on avait un mec qui avait abandonné. Et un autre que t'es bof. Mais un junker qui abandonne, ça aide pas beaucoup. Et c'est sur un push final qu'on a pu gagner. Mais à part ça, ouais, on a eu que des bonnes games. Down 16, quoi. C'est vrai que le level 40, c'est plus le max maintenant. Ah, c'est dans une heure le reset de jour. Oh, je crois que c'était une heure du mat. Je vais pleurer. Ouais, une game. On les voit pas à cause de ma cam, mais qu'est-ce qu'ils sont moches les skins de saison. Genre là, si je monte sur le prochain rank, j'aurai une tenue avec une perruque de perso, pour l'avatar on va dire. Qu'est-ce que c'est moche. Aïe aïe. Bon, qui joue sur Pokémon Unite FR? Il y a Choupi. Ce pseudo me dit un truc, et après les autres je peux pas les voir parce que je suis en mode streamer. C'est chiant ça, de pas pouvoir voir les pseudos des gens. Pourquoi vous avez fait ça, Disco? Parmi les gens avec qui je joue avant, il n'y a que Aloïs Deco, mais je crois qu'il n'est pas co-in-game. Rastafari, il jouait les soirs, là. J'aurais bien aimé qu'il soit là pour jouer avec lui. Putain, Zampa qui est sur Portal, mais... Oh là là. Et non, après, les joueurs avec qui je jouais, il n'y a personne de quoi. Aucune connaissance. Putain, j'aime bien les cheveux du perso au milieu là. Alors sa tête, je la trouve affreuse. Et Once TV qui follow, incroyable. Salut. Eh bien bonsoir à toi et bienvenue sur ce streaming. Mais vraie question, comment vas-tu? Et tiens, je vais regarder si des gens streament sur Pokémon Unite. Parce que tout à l'heure, oui, j'ai été, comme je l'avais dit, je m'étais posé la question, qui stream sur ce jeu? Ça va, tranquille. Eh ben, nickel. Qui stream? Yo la team. Rémi Laptique. Connais pas. Y'a moi. Putain, 8 spectateurs. C'est vrai que j'ai une bonne moyenne ce soir. Incroyable. Merci beaucoup d'être là tous. C'est cool de vous avoir. C'est rare. J'ai du monde, pour le coup. Enfin, aussi stable, je te dirais. De temps en temps, tu sais pas pourquoi, y'a des pics. Il y a des pics. Ça monte et ça... C'est des montagnes russes. Je sais pas, les gens, ils ont envie de voir... Alors, soit ils ont vu ma pépé, ils se sont dit... Alors, peut-être. Et ils ont pas vu, là, on va dire, la petite miniature sur Twitch où tu vois ma caméra et tu dis... peut-être que la pépé, elle ment un petit peu, quand même. Mais ça arrive, hein. Mais moi, je suis content quand ça arrive. Parce qu'à l'époque, j'avais fait une pépé où, là, pour le coup... Parce que ce qui est rigolo, c'est que ma pépé Twitch... C'est vraiment moi, mais c'est moi face-appé. Et à l'époque, c'était moi face-appé, mais pas avec un algo qui me transforme ou quoi. En plus, c'était juste moi face-appé. Mais là, il y a en plus un autre algo qui passe derrière. Mais du coup, c'est bien moi sur l'app. Ah, c'est beau face-app. Hein. Oh là là, c'est magnifique. Ouais, je vais repartir sur Noctali. Hein. Le poké est trop cool. Hein. Le poké est génial. Hein. Mais c'est pas un tank, hein, par contre. Enfin, le poké tank. Mais il fait pas des dégâts d'un tank, c'est pas normal. Oh, ouais, j'ai... Oh, les skins de soubrette. Ah, c'est... Ah, les pseudos des gens qui streament là du Pokémon Unite, je les connais pas du tout. De toute façon, je connais personne. Je les connais pas du tout.
streamer pro. Uf. Vige. Et là, il y a quoi? Anthropix. Créateur de contenu de 21 ans. C'est rigolo. Je suis un créateur de contenu de 21 ans aussi. Chaîne spécialisée sur Pokémon. Est-ce qu'on peut dire que je suis spécialisé Pokémon? Franchement, quand tu regardes mon planning, je suis un peu spécialisé Nintendo. Hein. Regarde Mario World, Pokémon New Snap, Zelda, Sunshine. C'est qui parle? C'est dans ma team? Oh non, pas des gays qui parlent, c'est insupportable. Non, par pitié. Oh non, putain, en face, la team chiante. Oh la team chiante. On a Zoroark Plant, on a Zacian et... Non, pardon. On a Absol Plant, on a Zoroark. Après Zoroark, je crois que Zoroark, j'avais arrêté le jeu. Et Zoroark, je le détestais. C'est qui parle? C'est Mew. Depuis que j'ai repris le jeu, je n'ai pas vu un Mew. C'est le premier que je vois. Souvent, les mecs qui parlent, c'est mauvais signe. Surtout qu'on est en France ici. Pourquoi ils parlent pas français? Mais tu es sur le serveur européen? Voilà, c'est comme ça qu'on joue. C'est mon mob. Attends, je viens de voir, mais j'ai mis que des auto-attaques chargées. Je sais même pas quand il spawn, lui. Mais oui! Mais oui! Mais... J'ai mis que des attaques chargées. Mais quoi? Mais attends, mon bandeau il a pas broc en plus. Il a pas proc, pardon. Vas-y, chopez-le. Non mais mon poké c'est... Oh là, par contre là je me barre. Je veux partir. Non, Zacian me fait giga peur. J'ai tellement peur de Zacian. Ah, par contre, j'aurais bien aimé la... Non, mais regarde les dégâts. Enfin, je suis un tank, c'est un dégât. Ah, merde. Ah, là, je risque de crever. La lame solaire. Ah. Intéressant, la lame solaire, on peut la voir, comme l'ensoleil. Ah merde, il l'a chopé. Ouais, faut que je me méfie quand même, hein. Je suis pas invincible non plus. Je suis puissant mais pas tout puissant non plus. Après, je suis le seul Noctali de la game, je crois. Ouais. Normalement, je devrais faire des bonnes tatanes, quoi. Je devrais bien taper. Personne fait la jungle encore ? Je pense que je vais la faire. Hein. Genre, je l'ai pas eu. On est face à une game que je vais peut-être perdre. Pour le coup, les précédentes, non, c'était win d'avance. Celle-ci, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de la win, celle-ci, pour l'instant. Ouais, je suis obligé d'ulti. Je suis mort par quoi? Quoi? L'attaque de Zacian! L'attaque de Zacian a pété après sa mort, mais c'est quoi ça? C'est même pas son ult en plus, il est pas assez au level. Oh putain. Ah oh, merde, en haut il passe. Ouais, mais Zoroark, c'est qu'il doit être craqué encore. Ouais, c'est chaud quand même que je me batte. Il veut pas score lui? Écoute. Et en bas, comment ça se passe?
Je suis pas une bonne team, hein. Je sais pas c'est qui notre jungler, ça doit être le pire but. Je pense qu'on est face à une première game lose. Zentwix, mec, c'est pas toi sur la pepe, tu fais bon en vrai, mais merci beaucoup, mais. Alors là, je suis mort. Alors là, je crois que je suis mort. Mais qu'est-ce que. Enfin. Ah, c'est dommage. Ah putain, je suis deg. Ma win streak là, elle est cassée. Ah, mais là, on a deux sales. Désolé, hein. Tu peux pas être modeste sur ce jeu, tu peux pas être normal. On a deux sales merdes en haut. Je suis un tank, je suis level 10. On a deux dégâts, ils sont level 8, s'il te plaît. Ouais, je peux rien faire. Ah putain, j'aurais dû y aller, j'avais pas vu qu'il était si bas. En plus l'autre il a son shield. Ouais, mon ulti sert à rien. Putain. Aïe aïe aïe. Ah bah ouais, bah quand y a pas l'équipe c'est difficile. Ouais, si j'avais Mentalis cette game j'aurais pu la jouer, mais là avec Mentalis c'est dur. Le problème c'est que ok t'es tank, ok t'es craqué, mais t'es tout seul contre 5 mecs quoi. Je peux pas jouer en 1v5. Le problème c'est que le Zoroark qui fait le taf en face. Non, à part un retournement de situation, cette game est lose. Voilà, j'ai une team là. T'as pas un logiciel un peu de cheat sur piqué? Un logiciel de cheat. Alors, je vois pas trop à quel moment. Non, mais tu vois. Ah, mais il a même pas son nom, l'autre. Ah, donc il pourrait même pas tenter un last hit. Il peut même pas tenter de last hit, il a pas son ult. Ah, mais si, il est level 9. Merde. Oh putain, je l'ai raté. Let's go. Je suis obligé. Oh non, il a esquivé mon ult. Putain, il me casse les couilles, Zoroark. Voilà, crève. Oh, la truche. Ah, je me barre, j'ai pas envie de me battre. On peut mettre une petite value là. Hop. Voilà, allez, salut. en bas, est-ce que je peux l'avoir? Personne ne le fait? Oh putain, ça tient. Oh, il est 12. Putain, tout le monde est 12. Zacian aussi, il a ult ou pas? Mais non, mais non. Le 2v1! Le 2v1! Putain, je suis dès que l'attaque de Zacian est dure, même après sa mort. Ouais, c'est une zone qui pose, ce petit tricheur. Ah, le 2v1, il met bien là. Non, mais regarde. Enfin, ça. Enfin, un speedster. Qu'elle est. Après, il doit pas jouer le set hyper craqué. Mais s'il te plaît. Les dégâts d'un speedster cumulé au plus puissant polyvalent. Les dégâts que j'ai mis. Alors ça c'était un mauvais ult. Ah quoique. Voilà, comme ça il reste stun. Lui il va ulti sauf s'il l'a pas déjà fait. Ouais, il me fait peur sa zone. Hein. Let's go. Merde. Il fait trop mal. Pokémon cousin de la Corée du Nord avec kimono, je vais. Moi je joue un perso ultra cheat 0 avec Rest. Je sais même pas si on perd hein, en termes de points. Ah ouais, on a beaucoup scoré en bas. Hein. Enfin en haut. First try, hein. Merde.
Ah, ça dégoûte. Ah, mais on méritait de perdre. Hein. On avait une team de merde. Je méritais. Je peux pas avoir de la chance tout le temps. Ah, il me casse tes couilles, Zacian. Ouais, bon. J'avais une team de merde. Je pouvais pas gagner. C'était full chat, malheureusement. C'était pas possible. Ça dégoûte, hein. Enfin, je pense que vous regardez mes games. Franchement, à l'élo où je suis, je ne mérite aucune lose. Tant que je suis pas master, je ne mérite aucune lose, mais franchement, c'est à cause des teams qu'on me donne, quoi. Là, j'ai eu que des bonnes teams, donc ça se passait, mais là... Je vais repasser sur mon Tali. En tant que Noctali, c'est cool, mais le problème, c'est que je peux pas enchaîner les kills. Et ça dépend de l'équipe. Noctali, je pense, c'est un poké à sortir quand t'as un mate, mais là, trop compliqué. Et bonsoir Amour, et bienvenue sur ce nouveau streaming, tu sors. D'accord. Je commençais ce matin, je suis confirmé divin. Bah bien joué, c'est pas mal. Le jeu est... T'en fais pas, tu vas monter vite. Si t'es bon dans le jeu, tu vas monter très vite. Bon, il a été bon, enfin ils ont été bons, non. Enfin ma team puait la merde. Je savais même pas qu'il y avait un Pikachu dans ma team et eux deux, c'était des bots quoi. Après, je joue Mentali. Mais Mentali n'est pas du tout le meilleur Pokémon du jeu. Hein. Putain, sur mon passage ultra au jeu. Mentali n'est pas du tout le plus fort du jeu. C'est juste moi, c'est probablement mon main aujourd'hui, mais c'est pas le plus fort. Tu es québécois, moi pas du tout. Je suis de la ville plus communément appelée Paris. Donc je crois pas que c'est le Québec. Après on sait jamais. Tu as mis le jeu en anglais. Parce que je suis un joueur du début du jeu. Je joue depuis le début à Unite. Bon, même si j'ai fait d'immenses pauses. Mais j'ai démarré le jeu dès le début. Première semaine. Parce que c'était un jeu que j'attendais. Et au début du jeu il y avait tout simplement que l'anglais. Et quand le français est sorti, je le trouvais tellement... Ça me dérangeait tellement que je n'ai pas voulu le changer. Les voix françaises, elles me perturbent dans ce jeu. Les japonais, regarde, il est jaune. Franchement, s'il y avait le jeu en japonais, je l'aurais mis en japonais. Enfin, oui, il y a le jeu en japonais, mais le problème, c'est... Ce qui serait bien, c'est à la limite, les sons japonais et le jeu en français au niveau de l'écrit. Et ça, à la limite, ça serait cool s'il y avait ça. Si tu pouvais choisir ta langue audio et textuelle. Mais c'est pour ça, du coup, je dis les noms de... Enfin, vraiment, je vais toujours appeler les Pokémon par leur prénom français, sauf sur Unite, où je vais toujours les appeler par leur nom anglais, très souvent. Genre Crabarak, je vais jamais l'appeler Crabarak, je vais toujours l'appeler Crossel. Funard, bon, après, il y en a où genre... Ninetales, Alolan Ninetales, trop chiant à dire. Et appeler le renard, à la limite. J'ai pris qui? Oui, j'ai pris le bon. Il a l'air perdu, ce pika. En tout cas, c'est cool, j'ai un nouveau... J'ai un support avec moi. Ça, c'est cool. En espérant pouvoir score... Oh putain, Ronflex. Je suis en Ronflex. Peut-être le tuer lui hein. Ouais. Bon au moins on lui a fait craquer son bandeau. J'ai pu score deux fois. Ah merde. Ok, ouais il a peur de moi. Il évolue parfait. On est bien, on a un Chifours. Trop bien, Chifours. J'ai peur qu'il me bute. Putain. Ah putain, dommage qu'il laisse pas les points par terre.
Les meufs à Montréal, po, bien sûr. J'aimerais bien aller au Québec. Après, je sais pas si les Québécois, ils aiment pas les Français ou pas. Mais je pense que on est tous d'accord que les Québécois, c'est genre... Je pense qu'en France, on peut le dire, hein, la meilleure population francophone, c'est les Québécois. Les Québécois, je ne peux pas les voir genre méchants. Pour moi, le Québécois est forcément quelqu'un de gentil. Il n'y aura pas des émeutes comme on a eu. Il n'y en aura pas au Québec. Parce qu'ils sont respectueux, les Québécois, au moins. Alors, bro, moi je stack. Ouais, je l'ai vu venir. J'aurais dû me stack. Alors, comment ça se passe en haut? Ça répond à ma question. Allez, pour farmer, c'est un peu plus chiant. Oh, il y a des chances qu'il joue stack vu les dégâts qu'il vient de me faire là. Bon, en tout cas, j'ai une bonne game. Je suis level 8. En face, il n'y a que le garde-voir qui est 8, alors qu'il a qu'un kill. En vrai, j'ai mon ult, hein, je vais me faire. Pardon. Waouh, les dégâts j'ai pris. Matinée à Paris, bonjour madame, comment allez-vous? Ferme ta gueule, clochard, une matinée au Québec. Bonjour madame, comment allez-vous? Et vous, merci. Oui? Oui, tellement. Ferme ta gueule, clochard. Franchement, oui. Là, c'est... Oh là là. En vrai, ça va, non, c'est plutôt... tu ne parles à personne, en fait. Ouais, c'est vraiment, tu parles plutôt à personne et tu ne regardes personne. Oh là, je vais faire mal. Hein. Ah bah j'ai mis un kill. Ah, dès que je mets un kill, je fais très mal. Non, c'est plutôt, tu regardes même pas les gens et s'ils te parlent, c'est vraiment, non, je suis pas intéressé parce qu'on croit que c'est de la pub avec des flyers là quand tu sors du métro. Ah, ma soeur, elle a fait ça, franchement, moi je serais tellement gêné de faire ça. Ou sinon, faudrait que je fasse ça avec un pote. Pour qu'on se tape des barres en mode regarde, il m'a ignoré. Ah, le garde-voir, il fait un bon taf. Hein. Je pense qu'il faudra vraiment le focus. Le garde-voir, ça va être la cible. Ah, notre flaga, c'est pas grave qu'il soit en retard. Notre gros doudou. Il est niveau 10, donc c'est grave. Ouais, non, c'est grave en fait. Hop, ça dégage le renard. Toi, ça dégage. J'ai pas eu la stit sur Fenard. Oh, oh, amène-le vers nous. Reste en vie et amène-le vers nous, par pitié. Par tipié. Ah merde, ah, j'ai devoir ulti là. Moi je veux vraiment choper le garde-voir, c'est tout. Bon allez. Normalement je le tue. Je sais pas s'il crève là. Hein. Ah putain. Non mais le bro, qu'est-ce qu'il branle avec son level? Bon toi t'es freaky par contre, qu'est-ce que tu fous ici? En vrai, je vais aller en haut, hein. Ça sert à rien ici, c'est ce que je fais. Faut que je me régène au moins. Par pitié, chope le last hit. Merci. Je l'aime, gros doudou. Hein. Gros doudou, c'est vraiment mon seul mail de la game. Putain, le bruit que ça a fait, l'amnésie, là. Ah, dommage. Ah, putain, en plus, c'est l'autre qui a score. Oh, je suis tellement bien... Oh, je suis tellement bien posé, là, pour taper. Oh là là. Oh.
merde. Putain, je pensais que j'avais le temps de... Ah, après, là, il est friki, là. Là, il était friki, le garde-voir. Je sais pas pourquoi il a forcé. Comme le disent les jeunes, je vais aller faire ma jungle. Dommage, je pense pas que je pourrais l'avoir. Quoique. Ouais, j'ai envie de le choper. Allez, allez, ciao. Ça serait bien si Lul tue au bot. Ah, dommage que je sois pas là, putain. Oh, y a oh, c'est tellement des free kills pour moi. Oh là, je suis dans la merde. Dommage que j'ai pas eu le kill. Voilà, c'est le teamfight. Hein. Bon, par contre, toi. Ah, mais il a pas de points, on s'en fout. En vrai, go le faire. Hein. Il n'y a que l'Amphinobi qui nous l'a démarré. En plus, il a ulti de tank. Normalement, on n'est vraiment pas censé la perdre. Hein. Là, il n'y a personne qui peut nous le choper. On avait une bonne team. Ah, belle ult. Allez, pas avec tu mets, je suis désolé. Oh non, le top. Oh. Oh, je vais me battre contre le garde-voir, je me suis pas battu contre lui dans la game. Putain, il est que niveau 13 par contre. Pardon? Ah non, ça quoi. J'étais en mode, comment ça il a survécu? Ah, il a 10 kills le Chifourse quand même. Hein. Il s'est séparé la vie des rats. Mais sur Mulo s'il te plaît. Hein. C'est pas des rats. Hein. Faut écouter. Alors je sais pas du tout qui a dit ça. Putain, quand j'ai écouté cette histoire. Oh là là, franchement, vous avez pas d'autre chose à foutre que d'appeler les rats des surmulo. Un accident à Paris. L'émotion sur Mulo pour éviter un ban. Je remplace par des bips. Bip, un accident au Québec. Monsieur, je suis vraiment désolé. Non, c'est moi qui est désolé. Je suis pas un café. Parce on pourrait faire une game en normal. Franchement, vas-y, pourquoi pas. Mais là, ça se passe bien. Je vais essayer de monter le plus possible. Et je pense que je rejouerai dans la semaine pour essayer d'atteindre le Master. Et puis comment ça se passe, ça devrait se faire assez rapidement. En vrai, faut que je fasse quand même beaucoup de games. Hein. Parce que là, ça fait 2 heures que je joue. Ouais, pour monter un rank entier, c'est assez long en vrai. Hein. Mais ouais, hein. Noctali est très cool à jouer, mais c'est comme quand je jouais des Céliandes. Je le joue bien, je suis bien dans ma game, mais ça reste un tank. C'est pas suffisant pour faire la diff. Alors qu'un petit Mentali là. Oh là, oh une trivie. Non, la trivie, mais non. Mais non, reprenez la trivie. Une pentaivi. Oh là là. C'est à cause de Macron, c'est à cause de Macron tout, Macron explosion. Explosion. Tout ça c'est sa faute.
Non, on va pas parler politique. J'attends de faire des 100% d'exploration sur Genshin pour ça. Je sais pas si j'en ferai cet été. Du coup, demain, ouais, en journée, Silver Crow, je continuerai l'histoire, vu que je ferai du Genshin. Et après, je sais, peut-être demain, je ferai du... Je sais pas ce que je ferai. Parce que demain, je voulais faire du Zelda, j'avais dit. Histoire de Naïda. Ouais, demain, je fais l'histoire de Naïda pour débloquer le World Boss. Après, je sais pas ce que je fais, mais demain, je ferai au moins l'histoire de Naïda. J'ai déjà fait les abysses aujourd'hui, donc je les ferai pas. Après mes quêtes quotidiennes, ma résine, pourquoi pas. Ou sinon, demain, je fais juste ça. Live at pool and piscine. Franchement, c'est un truc que j'aimerais faire, ça. Regarde, j'ai même la chemise. Bon, c'est presque... C'est pas hawaïenne. C'est quoi? Je sais même pas ce que c'est. Peut-être des feuilles de palmier. Et pas des trucs de marijuana, malheureusement. Franchement, ça serait trop marrant. Je me mets en mode fond vert, je me mets ça. Sans, enfin, ouvert, tu vois. Et je mets une photo de piscine en mode hot tub, Pokémon Unite. Franchement, ça serait marrant. Donc, je vais être solo lane, c'est ça? Alors le problème, c'est que je ne vais pas évoluer en scorant, et ça me pose beaucoup de problèmes, ça. Il y a un mucuscule en face. J'espère que j'aurai le temps de voler celui-là. Par contre, je vais me barrer parce que... Ouais. Oh, j'ai tellement bien fait de me barrer, putain. Ouais, par contre, toi... Oh, il joue Bordeaux. Le problème, c'est qu'ils se sont battus pour la jungle. Ça m'arrange pas. Parce que je vais pas évoluer. Et en plus, il gank là. Ah là là, je vais pas être très puissant dans ce début de game. Oh, le Zera, c'est un Zera qui n'ose pas jouer. Il a pas de couilles. Oh. Oh là 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 là. Oh le flop cette game. Oh le flop que va être cette partie. Monsieur Cisaiox. Alors comme ça on est bon. Alors là, extrêmement surpris. Bon là il aurait pas dû crever. Il aurait pas dû prendre ce fight. Mais attends, mais là il vient de me vendre du rêve, je reconnais. Bon par contre Mucuscule je le connais vraiment pas. Ah dommage qu'il s'est pas pris mon laser. On va faire gaffe, ils sont 3. Il y avait une araignée devant moi. Let's go. Et je suis stack à 4, je pensais pas. Il y a un truc marrant qu'il faudra que je te dise quand tu le feras. Ok. Franchement, je vais l'aider, hein. Je vais le suivre lui. Hein. Ah, quoique. Il y a quand même un Zoroark. Yo bro. Putain par contre j'ai failli crever hein. Ah dommage qu'on pète. Ça va les Zenfix. Les pêcheurs d'Afrique. Aïe aïe aïe. Non, ouais, je vais aller en haut. Hein. C'est vrai, déjà, ils sont plus. M'en fous. Je crois que je commence à regretter d'être allé en haut. Après, il y a que Zoroark. Hein. Là, on peut invade, on a toute l'équipe. Après, en vrai, c'est ça qu'il faut faire. Hein. Dans des Benta, tu décales. Tout le monde décale. C'est ce qu'il faut faire. Parce que là, ils font... Ah si, ils font Regice. Alors, bro, toi, tu crèves.
Il s'arrêtait. Il savait qu'il était mort. Je sais pas si quelqu'un fait la jungle. Putain, notre Cisayox par contre. Au début, j'étais en train de l'insulter finalement. Non, c'est notre Zera que j'ai insulté. Les joueurs Cisayox sont assez bons souvent parce que leur poké est fort. Par contre, les joueurs Zera, c'est autre chose. Ouais, je vais aider le lap. Oh, quoique. Non, en vrai, ouais, non, il gère. Le lapin, il a ulti. Ouais, je vais l'aider. Hein. Ouais, les dégâts qu'il m'a fait en une ballon brûlant et une auto-attaque, les dégâts qu'il me fait. C'est une dingue, hein. Putain, tout le monde est mort en haut. Zoroark, il adulte. Ah, ça doit stack. Oh là, par contre, oh là, il y aura un massacre. Ah non, il ult le bâtard. Bon, les gars, faut pas rester à côté de. Alors, faut s'éloigner quand il y a des ultis, d'accord? Ok, c'est un archer. J'avais même pas vu qu'il y avait un archer, Luc. Je savais pas si je jouais être en cherbe. Ouais, faut que je fasse gaffe, hein. Moi, faut que je reste un peu en mouvement toujours. Enfin, faudra le choper pour éviter l'élastique, quoi. Belle ulti. Je pense qu'on peut le dire. C'est un bel ulti. C'est quoi ça? Ah, putain. Bon. Oh, le zoo. Je croyais qu'il était mort. Par contre, ouais, moi c'est l'archiduc qui me fait peur, hein. Je sais pas où il est. Ah, il est pas là. Bon, je back. Ils ont pas besoin de moi. On va aider en bot. Pas Aurora, c'est nul lors d'un prêt de charme. Ok, on est au top. Alors, les Aurora, ça arrive très souvent qu'ils soient pas fous. Je te dirais, c'est un peu le Pokémon des Kikou, comme on peut le dire. Le poké est bon, bien joué, et quand on se l'occupe. Sinon, complicado. C'est pas normal là que ça score ici. J'aimerais bien que Zoroark, il vient, pardon. Oh, lui il est mort. Toi t'es mort par contre. Je sais pas ce qu'il fout, il s'est vraiment dit là je vais survivre. Moi ça me donne un kill. Hein. Lapin. Ouais, il fait pas la. Oh merde, putain, j'aurais dû sauter en bas. Oh putain. Bon, après c'est free kill pour moi ça. Et la jungle, malheureusement, elle a déjà été faite. En vrai, je bug, je me régène. Quoique. Ça, c'est free kill ou free ult pour nous. Ce free kill. Un peu dommage, j'ai pas mon 14. Je vais essayer de le choper vu que les autres y sont placés. Ouais, dommage, j'aurais bien aimé avoir un seul mob. Ok, ulti dans le vide déjà, ça commence bien pour nous. Merde! Merde! Putain, j'ai mis click. Je voulais buter le Zoroark. Bon, au moins, il s'est barré. Oh, mon ulti, il est tellement important. C'est trop chiant que je l'ai perdu. En vrai, go là. Hein. Le seul qui peut être chiant là, il est déjà pris. Ah, j'ai pété un câble si on se le fait style. Oh. Putain, mon ulti dans le vide. Mon ulti dans le vide, ça m'a mis giga mal.
avec la team Kikou, Kikou Titouan, Kikou Timothée. Vraiment les des noms de... Putain. Je pense que nous, les gamers, on appellera... Franchement, on sait ce que représente Titouan, Timothée. Les prénoms en T, on les appellera jamais comme ça, nos gosses. On sait ce qu'ils risquent de devenir. Bien bonsoir, hey Didi, Dicisos. Alors, un peu à prononcer particulier. Putain, j'ai que 49 000 coups. Après, j'ai pas eu une bonne game. Hein. Au début, c'était compliqué. C'était un peu compliqué. Et ils étaient durs à toucher. Enfin, on avait un Pyro et lui qui jouait à distance. Lui, c'était compliqué de l'avoir. Et de ouais, c'était dante, mais non. J'ai pas eu une bonne game. Pas de Oscar Titouan. Landa Bosso. Alors là, il y aura le même débat des prénoms. Est-ce que. Oscar et Titouan, oui, mais Landa et Bossos, c'est des prénoms, ça? C'est tellement random, pas français, donc je sais pas si c'est des prénoms. Ou si c'est juste des mots random. Ça se trouve, c'est des insultes et je ne sais même pas. Mais oui, mais attends, mais on peut faire dire n'importe quoi, hein, tu sais. Landa. Quand je tape Landa, Landa, expert de la pièce agricole alternative. Et Bosso, qu'est-ce qu'on a quand on type Patrick Bosso, c'est un humoriste et acteur français, né à Marseille. Ah, ça doit être un prénom marseillais. C'est pour ça que je connais pas. Idi. Très bien. Bon, je t'appellerai Idi, du coup. Nom de famille, Landa Bosso. Quel est l'âge de Patrick Bosso? Il a 60 ans. Vous le saviez? Je vois pas du tout qui c'est, par contre. Qu'est-ce qu'il a pu faire comme rôle? Ça vous intéresse, non? Alors, Patrick Bosso est né à la maternité de la Belle de Maille, aujourd'hui fermée de parents italiens immigrés en France. Oh, ça va, si c'est des Italiens à la base, ça devrait aller. Il a grandi dans le quartier du Panier, un des plus vieux de Marseille, puis a déménagé dans le quartier Nord, dans la cité HLM, les Lauriers. Son père travaillait au chantier naval du port de Marseille. Dans l'épisode de l'émission Vie ma vie, Patrick réessaie le métier de son père, qu'il a lui-même exercé pendant un an. Son père, le cousin germain de Tani Zampa. Oh, Zampa, Zampano, le fameux. Je savais pas que Zampa il avait de la famille à Marseille. Truand marseillais. Il a fait un BEP plomberie. Et c'est un acteur aujourd'hui. Eh, comme quoi? Putain, 1 minute 30 là par contre c'est giga long. Ah mais attends, mais j'ai mis une récompense. Non mais regarde les skins. Ils sont dégueulasses. Hein. J'ai gardé mes lunettes de soleil et mes tongs, c'est très bien. Putain, en vrai, elle pourrait être dans le thème. Voilà, on est en mode été, ça y est. Alors, moi, je dis, en tant que thug, en tant que youtubeur, évidemment, prenons les lunettes de thug et mettons-les ici. Mec, c'est pas des prénoms, Landa Bosso, ce sont des putains de noms de famille. Mais je peux pas deviner. Ah, on est continue, tiens. Mais non, mais c'est la dernière fois, là, on a regardé un petit peu des trucs et on a découvert des prénoms. Enfin, à quel moment c'est des prénoms, quoi. Enfin, ils ont aucun... Enfin, je sais pas, un prénom, tu vois, ça doit être au moins beau. C'est le prénom que tu as porté toute ta vie. Il y a des prénoms tellement dégueulasses. Tu sais même pas ce que ça... Tu sais même pas ce que ça veut dire. Tu sais même pas s'il y a une référence ou quoi. Alors qu'au Japon, nous avons des magnifiques prénoms au Japon. Ils sont beaux les prénoms japonais, ils ont des significations en plus. En Chine aussi, je crois. Dans les pays asiatiques, souvent, ils ont des significations. En France, rien à foutre, c'est juste des beaux prénoms. En plus, dès que t'entends un prénom, tu sais si c'est un prénom de vieux ou un prénom plutôt de jeune. C'est trop bien, ça. Y a pas ça dans les autres pays, je pense. Mais c'est bien, cette culture du prénom du pays. Faut que ça reste dans le pays même, quoi. Que ça ferait bizarre. Bon, après, en vrai, d'avoir un prénom français au Japon, c'est un peu stylé. D'avoir un prénom japonais en France, c'est... Je pense, c'est autre chose. Bon, qu'est-ce qu'on a en face? Divonne Platine. Tu vois, au moins, tu sais, Divonne Platine, tu sais, c'est... C'est à droite de l'Europe, ouais. Ou en Allemagne, j'en sais rien. Jouai Izumi. Soulman. Emmanuel, bah tu vois, déjà on sait que l'Amphinobis c'est un français, enfin ou une française. Ok, parfait, je vais lui laisser tout le reste du farm.
En plus, c'est un Pierrot. Je pense qu'il va aimer avoir du XP. Et moi, je vais aller score. Oh, ça me fait peur d'affronter ça en lane. Après, je peux peut-être lui choper des mobs. Hein. Oh non, il fait trop de dégâts. Ok, let's go. Oh, ça met trop bien. Moi, j'ai scoré mes deux fois. On est tous les deux assez proches d'évoluer. Ah, par contre, non. Ah, dommage. En plus, lui, il évolue. Par contre, là, il est mort, non? Oh, moi, qui... Ouais, non, il est un bandeau. Ouais, par contre. Dommage, bon, je vais évoluer de mon côté. Ouais, Mouskoto, c'est chiant. Ah, dommage. Alors, ça a l'air d'être un type fée. Namdou, Brakkar, Endai, Falou, Tribu. Rassure-moi, rassure-moi, dans le taille, il n'y a pas. Enfin, c'est pas que des prénoms, rassure-moi. Tribu. Parce que d'avoir des prénoms de noms communs, ça c'est. Après, je sais, il y a des trucs. Genre, il y a des noms communs qui sont des prénoms. Mais ça, c'est souvent sur les îles. C'est les. Les outre-mer. Quoi. Oh, c'est bien que le pyro est décalé au centre. Moi, je suis censé survivre normalement. Bah, surtout si. Ah, ça, c'est chiant par contre. Normalement, il crève là. Yes. J'ai pris tellement cher. C'est tellement stressant d'affronter un Mouskoto. Il fait tellement mal. En vrai, moi, c'est Matteo. On sait d'où tu viens. C'est bien. C'est bien Matteo comme prénom. Je trouve Matteo c'est un prénom un peu toute génération. Genre ça me choquerait pas d'entendre un vieux de 60 ans qui s'appelle Matteo. Ou un petit jeune qui s'appelle Matteo. Ça fait plus jeune que vieux. Mais je trouve que c'est un prénom qui passe pour tout. Alors que Gilles, le prénom de mon grand-père. Gilles, non ça passe pas. Enfin tu sais que c'est un prénom. C'est un vieux qui a ce prénom. Ah ils l'ont perdu en haut, merde. Ah putain, c'est quoi nos mates? On a un lock là, c'est un flanc bizarre. Oh là là, oh non par contre je viens d'utiliser mon ult. Et là ils arrivent. Oh par pitié on a le temps de se le faire. Ok. Ouais je vais les aider en haut. Je crois Noctali il a FF. Non il a pas FF. Ah il est rentré en plus putain. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je connais pas l'Oclas. Attends, c'est le vrai ça? Attends, mais j'ai giga mal? Mais j'ai giga mal? Mais. Comment ça se fait que j'ai pris une si chère? Donc ça veut dire qu'ils se sont fait éclater par qui en haut? Parce qu'Amphi vient de mettre ses dégâts. Alors là. En même temps, pourquoi c'est lui qui a la jungle? Le mec, il sait pas jouer son poké. Oh, ça me saoule d'avoir des games comme ça. C'est comme tout à l'heure, on n'avait pas de jungler la game qu'on a perdue. Ah, regarde, ils sont 3v1, ils arrivent pas à le battre, quoi. Si je l'avais pas affaibli, il l'aurait pas eu. Je pense que je vais l'ulti. Hein. Ouais, je vais devoir ult.
Oh, mon ult est pixel là. Ouah, il était pixel mon ulti. Ah, mais attends, le requiem de Loclas, c'est pas comme le truc de Tyrannosif, je crois. Enfin, c'est le truc de Tyrannosif. C'est quand ils sont assez bas en vie. Il peut les one-shot. Pourquoi il back, là? Putain, en plus de P. PT de 2, là, mais quel est l'intérêt? Oh, putain. Vas-y, branle-quoi, mon tank, viens. Là, dans l'herbe, là, y a un mousqueton. J'ai peur de nous. Oh là là, je prends trop cher. Je peux tenter le last hit. Ah non, faut que je me barre, ça sert à rien. Ah, j'aurais pu l'aider, mais le problème, c'est que j'ai pris trop cher. Putain, il a mis son kill. Ah, ça dégoûte, putain. Ouais, mon mousqueton, il me nique ma game, hein. Oula. Ouais, mousqueton, il me nique trop ma game. Je peux pas jouer avec un mousqueton en face. De toute façon, il est pas assez fort pour faire Agistil solo. Buff bleu, ça. Yes. Non, elle va être dure, cette game, hein. Ouais, il y a Fenor. Oh putain, il y avait Mousqueton, je l'avais pas vu. Putain, j'ai hésité à ult. En vrai, ça aurait rien changé. Ah, je suis dégoûté, j'ai hésité à ult. Ah, quelle game de merde. On n'est pas aidé. On n'est pas aidé sur ma lane. Le pyro était ok. Ah non, Sidelux, je peux pas. En plus, moi, ça me full stun. Ça me full stun, j'ai pas de front lane, c'est impossible. Après, si ça claque des ults. Ouais, l'amphi, je l'ai eu. Parfait. Ouais, mais j'ai mis un kill. C'est trop fort, ces Aiox. Ouais, s'il avait pas eu son shield, il crevait. Ouais. Ah, ça me dégoûte, putain. J'avais gagné mon fight. Ah là là. Ouais, le problème, c'est qu'on a trop de retard. Là, ces Aiox, il doit être full stack. Ouais, on peut le faire, mais... Ah oui, mais attends, on peut vraiment le faire. Let's go. Incroyable. Oh, qu'est-ce que... C'est quoi ça? Mais c'est génial. Mais qu'est-ce qu'il vient de faire? C'est son ult. J'avais jamais vu. Mais c'est génial. Voilà, je vais me barrer comme ça. Il est trop rigolo son ulti. Ah, je suis content qu'on la win celle-là. Après, on a eu de la chance, hein. Alors bro, fallait sauter à la base normalement. Ah putain. J'ai fait de la merde, j'aurais pas dû y aller. Ah putain, ouais. Ah. Ah, c'est bon, on a mis les points. Normalement ça passe, lui il pourra jamais score. Non, on win normalement. Oh, c'est énormément my bon. Je vais dormir, au revoir. Bah merci beaucoup Eddy d'être passé, c'est cool de t'avoir.
et à une prochaine. Bon, je suis désolé, Zentwix, tu parles beaucoup, je regarde pas trop. Ok, pepperoni, ravioli. Pignouf, rien à voir. Ah, j'ai une game de merde, hein. Putain. Ah ouais, le Fenard et le Mouscoto, elle me stun. Même le Cisaiox, ça se soignait tout le temps. Là, il y avait trois Pokémon qui étaient chiants en face. T'as des lianes, c'est toi, Torse. Putain. Foot de rue. Ça va, les Zentwix. Ouais, il a été bon, lui, finalement. Je l'ai critiqué un peu, mais... En vrai, il se défendait bien. C'est juste, ouais... Le problème, c'est que quand je vois le mal, c'est compliqué. Le Locklass, ça a été bon, par contre, lui. C'était vraiment une bouse. Étonnant que lui soit dernier dégât de la game. Mais ouais, à part notre jungler, en vrai, ça allait. Et non, c'est pas la prochaine game qui aura le reset du jour. Je sais pas jusqu'à quand je vais jouer. Je vais au moins terminer sur une normale. Avec vous, si vous voulez. Mais je pense, ouais, la ranked, je vais focus. Je pense pour le planning, je vais au moins mettre une session Pokémon Unite, ou sinon j'y jouerai quand j'aurai envie. Mais ouais, vas-y, vu que je suis parti. Putain, j'avais dit à mon copain Léonard, là, je lui avais dit, franchement, je joue avec toi parce que tu m'as proposé, mais je rejouerai pas au jeu, je pense, hein. Et bah putain, deux jours plus tard, qu'est-ce que je fais? Je rush le Master. En vrai, j'étais un peu deg. Parce que on faisait ses games et on l'a monté Master, du coup. Et bah je pouvais plus jouer avec lui parce que j'étais trop baranque. Ouais, avec toi, Zentwix, si tu veux. Enfin, juste pour de la normale, quoi. Pour les last. Mais quel mot c'est un peu quand même dans le chat? Parce que là... Je dis le chat à l'oral, mais je t'avoue, je me méfie un peu, là, quand même. Bon, après, brocoli, bikini, ça devrait aller. Mais après, là, quand je vois le reste avec la madré, j'ai un peu peur. Ouais, foot de rue. Ah, j'aime bien foot de rue, hein. Mais bon, je vais pas dire ça. Même s'il y a d'autres gens dans le chat, si vous voulez, on fait ça. Je vais essayer d'être calme. Après, c'est de la normale, hein. Y a pas de raison de s'énerver, j'aimerais te dire. Mais c'est un jeu vidéo! Pourquoi s'énerver? J'aimerais dire, c'est comme du sport, c'est normal de s'énerver pour du sport. Mais c'est le sport, cette fois. Mais oui, c'est vrai, attends, je suis en train de me dire. Mais les gens qui disent, mais c'est qu'un jeu vidéo. Mais bro, au sport, au jeu de société, c'est pareil, c'est qu'un jeu, c'est que du sport. Pourquoi s'énerver? Quand ton équipe de foot préférée perd, c'est encore pire, c'est même pas toi qui es sur le terrain. C'est même pas toi qui joue, pourquoi tu t'énerves? Alors que tu fais rien, tu n'influes en rien la partie. Ah ah. Et paf dans la gueule des supporters. Defender needed. Bah on a le petit Flagados. Alors le Sucrène. Alors là, le Sucrène, je suis désolé, mais c'est un gros troll. Attends, je vais regarder son profil. Parce que là, lui, je lui donne pas plus de 50% de win rate. Qu'est-ce qu'il branle avec un multi-exp, un casque brut, une veste de combat et un scoring? Qu'est-ce qu'il branle avec ces objets? Et en plus, il s'annonce jungler. Il va vraiment nous gâcher la game. Alors, 56% de win rate. Comment c'est possible? Mais par contre, quand je regarde ses stats, ouais, il dépasse jamais les 40 000 de damage, donc... Et putain, il joue ça sur tous ses Pokémon. Veste de combat, multi-exp, casque brut partout. Putain, il arrive à avoir plus de 50% de win rate, c'est un truc de fou. Enfin, surtout multi-exp en tant que jungler. Ouais, du coup, l'Absol, il y va, logique. Je préfère être solo jungle et que Absol chope tous les mobs. Ce qui devrait être le cas, normalement. À moins qu'il soit en duo queue et qu'il fasse exprès. Ce qui est possible. Ça m'étonnerait quand même. Mais bon, je vais pas prendre de risque dans cette game. Moi, je vais juste XP tranquille. En espérant qu'on pique pas mes mobs. Est-ce que j'évolue? Yes. Ouais, ça va être dur ce stack. Oh, ou pas? Putain, j'ai même pas vu. Qu'est-ce qu'on affronte en fait? Ouais, en vrai, à part ou pas, y'a rien de.
Ok, ça la mèche ou pas en face. Et lui, il n'a pas eu les mobs. Mais bon, au moins j'ai mon 4. Le problème, c'est que je vais pas me stack de la game, je pense. Ça va être très dur pour moi. On a un jungler qui ne sert à rien. Ah putain. Ouais, c'est chiant. Je vais rester là et essayer de les choper, mais le problème, moi, c'est que... Ah, fait chier. Putain. Ah. J'ai pas du back. Je pouvais pas deviner après. Je pouvais pas deviner qui vient. Cette game va être très difficile. Pourquoi ? À cause de lui. Juste à cause d'un mec, la game est gâchée. L'Absol a pas l'air d'être mauvais après. Mais bon, ça va être giga dur, quoi. Ah putain. Ouais, le problème là c'est que je suis tout seul et je suis en... Ah putain, faut pas qu'il évolue lui. Putain. Ouais, je suis mort. Ça va être impossible. Ils sont 3 sur ma lane. Le problème c'est que le flambusard il va s'amener, il risque d'avoir tous ses yeux. Il risque d'avoir son ult quoi. Heureusement que ça joue mal en face hein. Heureusement que ça joue mal. Elle va être très dure cette partie. Hein. Par contre, qu'est-ce que tu branles là? T'es en train d'int toi? Ouais, en fait. Je pense dès l'instant où je me fais stun, je suis mort. Et en plus, c'est deux poké qui peuvent stun. L'avantage, c'est que je connais ou pas, j'étais un joueur ou pas, donc je sais un peu comment il va réfléchir et jouer. Putain, je l'ai pas eu. Par contre, l'absol il troll. Hein. Là, ça le donnait. Ouais, ça va être dur. Hein. Faut se dire quand même, il y a des games où là je serai level 10 quoi. Alors que je suis en lane. Mais tu vois, il saute, je peux même pas l'aider, je suis pas là. Fin... Ouais, là c'est kill ça. Ouais, je suis mort. Hein. La petite auto-attaque qui m'a suivi. Bon, il y a son ult lui. Ah, il vient d'ult. Ça me casse les couilles, c'est parti. Non, l'Absol il sait pas jouer non plus. J'y ai cru parce que c'est un Absol, c'est tout. C'est juste que le poké est puissant. Et en face, ça doit être une duo vu comment ça joue. Fondons une ult. Ok, Noctali c'est le seul joueur de confiance. Je vais faire ult. Hein. Je vais faire ulti. Oh, le flambus est free kill, ça dégoûte. S'il te plaît. Oh putain, mais oui, il est pas ralenti. Ah, ça dégoûte. Ça dégoûte. Voilà. Je déteste Dracofeu. Le poké pue la merde, mais son ulti, il est obligé de te tuer. C'est un ulti, genre, t'es obligé de crever quand il te le lance. Ah, ça casse les couilles d'avoir des loose comme ça, hein, vraiment. Le sucre, hein. Un gars, un seul gars suffit à gâcher une partie. Bon, on a gâché un ulti flambusard et, ou pas, mais c'est tout quoi. Évidemment, qui devient AFK? Évidemment, j'aimerais vous dire qui. Dans les deux trollers de la game. Non mais lui il a aucune aim, le nombre de fois qu'il a raté ses ballons c'est un truc de fou. Mentali, ouais si tu veux je pense que je jouerais Noctali.
Franchement, je vais FF maintenant. Genre, s'ils veulent bien FF, moi ça me va. Je préfère passer à autre chose. Ce genre de partie, c'est des parties poubelles. Ça sert à rien. Après, on leur a pris de base. Hein. Le flag à deux, je crois, il est assez bon. Non, même pas. Il a ulti, j'imagine. Ah. Ça dégoûte, j'ai pas mon ulti. Oh putain. Let's go. Ouais, bah. Parce que j'ai deux tanks avec moi. Après, là, c'est compliqué. Hein. Je pense qu'il faut aller au bot. Hein. Ah ouais, faut se barrer là. Forcez pas les bros. Voilà, Sucrène, très bien d'aller en bas. Lui il va ulti je pense. Il l'a pas utilisé depuis longtemps. Moi ça m'embête, je peux pas utiliser le mien. Ah putain, il me rattrape, ça dégoûte. Ah, ouais, malheureusement, ouais, je suis pas lui, je suis pas là. Putain, ils se font éclater par un tortank. Dommage, j'ai bien défendu en vrai. Normalement, ils ont pas le temps de le faire. Ouais, ils ont pas le temps. En vrai, je vais aider. Putain. Vas-y, ils sont pas foutus de gagner un fight. Ah, c'est free kill ça. Faut pas qu'il mute. Faut surtout pas qu'il mute. Le drac au feu. Ok, j'ai mon ult. Bon, je risque de crever, mais au moins j'ai fait des petits dégâts. Avant de mourir. Je mérite la défaite, j'ai ma team. Non mais bro, il a ulti le tank, mais c'est quoi? Putain, il a ulti le seul mec qu'il fallait pas ult. En vrai, je peux peut-être l'avoir, mais ça jouera de très peu, quoi. Je l'ai pas eu. Ah, c'est fini, hein. On peut péter leur shield après, mais... Déjà, là, on a ou pas. Putain, mais lui, je vais même pas le rattraper, hein. Je vais même pas le tuer, c'est une blague. C'est une putain de blague. Et Absol, il prend pas le pad. Ouais, merci, bute-le au moins. C'est une blague. C'est une putain de blague. Franchement, il butait le tortank, c'était peut-être pas loose, mais là, c'est sûr à 100% que ça l'est. Non, c'était fini déjà. Non, c'est ma faute. C'est ma faute. J'ai lancé la game en même temps que mes teammates, donc je suis tombé avec eux. Jamais joué à Roblox. Et c'est un peu souci de faire ce que tu veux. Non, si, c'est ma faute. C'est ma faute. Je suis à 7 elo, je joue pas où je veux, donc je joue avec 7 teammates. C'est pas un hasard si je suis tombé avec eux, c'est parce qu'on a le même elo. Il y avait que le. Il y avait que le. Bah, lui. Qui était bon dans le team. Tous les autres, bah, il y a lui. Il y a lui qui nous a. C'est à cause de lui qu'on perd. Hein. Après, malheureusement, le Flaga bon, était bof, et l'Absol aussi. Mais ouais, lui, il a totalement une la game. Hein. Franchement, sans Sucrène, si l'Absol avait au moins sa lane, enfin
S'il avait au moins sa jungle, ça se serait mieux passé, mais bon. Genre de game qui dégoûte. Je pense que je vais en faire une dernière en ranked et après je vais. Après on fera la normale. Mais là pour le coup, ouais, ça fait vraiment. Enfin, j'ai que des bonnes games et il y a juste un seul mec qui int totalement la team. Et pourquoi? Les deux mêmes games, hein, pourquoi? Parce qu'il y a des mecs, ils sont deux allés dans la jungle et malheureusement c'est le pire des deux qui la garde. Ça nous a totalement int mes deux games. Je lance mon jeu perso pour voir les récompenses. En espérant ne pas retomber sur... Non, déjà, il n'y a pas le mec de l'avant. Le mec de la team d'avant, déjà, il est pas là. Ça devrait mieux se passer. Non, vraiment, il a trop inté la game, c'est chiant. C'est giga chiant. Mais déjà, ouais, le mec, j'ai regardé ses items, enfin... Tu savais. Tu savais qu'il y avait rien. Que ça servait à rien. Alors, qu'est-ce qu'il y a là comme item? Alors, j'aurais dû prendre Noctalie par contre dans cette game, parce que là on a que des dégâts, et là on est très dans la merde. Ouais, là on est très très mal. On a une team pas du tout tanky. On a 4 chips. Le Décélion de Flagados et le Philali vont se faire extrêmement plaisir. Parce qu'on a même pas de mobilité. On a 4 chips qui n'ont pas de mobilité, probablement d'ailleurs les chips. Je crois qu'on a les seuls Pokémon qui n'ont pas de mobilité. Là on a vraiment le combo d'attaquants sans mobilité, mais vraiment sans aucune mobilité. Ça va être giga dur. Hein. À moins que mes mates fassent un taf de malade, ça va être très difficile cette partie. J'aurais dû prendre... Putain, si j'avais vu plus tôt, j'aurais pris Noctalie. Ou au moins un autre Poké. En vrai, dans cette game, je pense que Tortank aurait été... Ouais, quoique non. Ils ont des Pokémon trop tanky en face. Bon, dans tous les cas, faut que je me stack. Parce que oui, dans la game précédente, j'étais même pas stack. Hein. Je sais même pas si j'ai scoré une seule fois de la partie. Avec Assos. Alors, ce serait bien que je l'ai. Parfait. Je suis stack à 2, j'ai évolué, c'est exactement ce qu'il faut pour moi. Lui, on lui claque son item. Je crois que Zeref l'a eu. Je vais tenter de score en vrai. Oh là, oh non. Ah putain, je me suis trop avancé, j'avais pas vu le Givrali. Je peux peut-être survivre. Hein. Ah putain, dommage. Notre jungler, c'est flèche, ouais. Ouais, il fait bien de back en vrai, c'est mieux qu'il crève pas. Ah, je suis dégoûté, je pensais pas qu'on se ferait gank. Je pensais qu'il irait en haut. Ouais, faut qu'il évolue lui. Hein. Est-ce que je peux. Ouais, je peux pas choper de mob. Chaud. Putain, c'est 50 secondes mon item. Non. Ok. Waouh, les dégâts. Je prends tellement cher. Bon, malheureusement. Ouais. Lui il doit stack. Ah, allez, let's go. Bon, Zeref, on peut lui faire confiance, je pense que c'est un bon joueur. Il a l'air de bien se démerder. Ok, je crois qu'on a tout vu. Il joue quoi, Dansefleur?
Let's go. On a régi. Ça se passe giga bien en haut. On a une bonne team par contre. Ouais, des teams qui prennent full Pokémon dégâts, c'est une bonne équipe. C'est des bons joueurs. Alors j'ai peur qu'il ulti lui. Bon. Dommage que j'ai eu mon ulti. Ouais, ça s'est joué de peu. On a un archiduc flèche. Ouais. Non, franchement, ça valait le coup. Ils ont eu 2 kills, mais pas les mecs les plus haut level de l'équipe. Notre jungler, je crois qu'il en a eu au moins un. De toute façon, on a de l'avance en XP là. Ça se passe bien en vrai. C'est juste nous, la line du bas, on les a pas touchés. J'ai juste score 2 fois au début. À la limite, le truc à faire, ouais, c'est de se battre en groupe. Hein. Putain, Jean, il est à la portée. Le problème, c'est qu'on n'a pas de front pour nos Pokémon. Casse les couilles, hein. Le flag à 2, ça me fait trop mal. Bon, on a eu qu'une frontline. Oh, lui, il peut faire un massacre avec son ulti, là. Oh, merci. Merci, quel plaisir d'avoir un archer du qui tire. Et qui touche avec ses flèches. Oh, putain. Francis Bédé, si tu prends les trop combien, regarde. Non, on a une bonne team. Au moins, je suis content. Je préfère m'arrêter sur cette enquête. Bon, après, je ferai de la non. Je ferai une normale. N'hésitez pas, hein, si vous voulez venir. C'est le moment. Extrêmement rare que je joue avec des gens que je ne connais pas. S'il y a bien une game sur laquelle s'arrêter, en vrai, c'est elle. Hein. En vrai, si je peux me stack. Oula. Ah, dommage, on casse. Ah. Ouais, il m'embête ce Flagados, il a une grosse portée avec son pistolet là. Vous les forcez, c'est un peu chaud quand même. Ouais. Wesh. Genre, il m'a eu dans son marteau. Ok, j'ai des points. En vrai, moi, faut que je score. Hein. Moi, ça m'arrange. Oh. Et... oh, oh non, je voulais la finir. C'est une game où j'ai spawn au bout de 5 minutes. On dominait tout le monde. AFF, ma team, AFF, j'étais en train de trash tout. Bah écoutez, on va la faire maintenant, la game. Oh, je suis un peu deck que ça se termine comme ça. C'était un peu tôt pour FF. Mais je pense que ça devait se... S'il y avait un chat, ça se serait trash talk. J'avais une team trop cool, franchement. Pas un mauvais, genre tout le monde était bon. J'avais un bon mate de lane. Il y a juste le garde-voir, je ne sais pas, par contre. Putain, je suis le dernier en dégâts. Giga étonnant. Et pourtant, c'est moi le top kill de la game. Et avec mon mentaliste, c'est dur d'avoir l'élastique, donc... Donc bon. Ouais, t'inquiète. Bah, je sais pas si quelqu'un veut jouer. Ouais, c'est un peu dommage, là, il y a que 4 viewers. Tout à l'heure, on avait une bonne moyenne pendant tout le stream. Mais ouais, si vous voulez venir, je vais juste récupérer mes 4 avant, et on lance. Déjà, attends, en vrai, join. Alors la room c'est quoi? Je la mets dans le chat. 5-5, 7-9. Attends, c'est impair les chiffres? Ah non, 93, j'avais pas vu. 5-5, 7-9, 93, 60. Voilà, si vous voulez venir, n'hésitez pas. Et voilà, on va se faire, je pense, une seule... On va se faire qu'une seule normale.
En soi, il est 2h, c'est pas giga tard. Oh, Mewtwo. Mais bon. Ça fait 3h quand même, hein. 3h, c'est bien. T'as que 40 pièces. Qu'est-ce que c'est radin. Quand tu regardes le prix des pokés, c'est honteux, monsieur. Ah oui, du coup, là, j'ai le nouveau jour. Ça va bien, ça. Ah, si, mais en mode normal. Sinon, on peut pas rage. Ah, my bad. Je suis désolé, hein, je suis pas en partie habituellement. Et c'est toujours le même ID. Je le renvoie au cas où. Hop. Encore une fois, si des gens veulent join. Prenez ce que vous savez jouer. Prenez ce que vous savez jouer. Ça suffira. Paf. Qu'est-ce que j'ai? Waouh. Trop bien. Qu'est-ce qu'on peut récup? Et en ZL, il y a quoi? Il y a les free points, normalement. Et fair play. En tout cas, ça marche bien. Bon. Est-ce qu'on a tout le monde? Je sais pas si Silver Crow, tu veux jouer. Si d'autres gens veulent. J'attends encore un peu et vas-y, je vais aux toilettes. Et dès que je rentre, je lance. J'ai jamais joué. Ah putain, j'étais persuadé que t'avais joué à Unite. Bon, en vrai, si c'est qu'une game. On va plutôt lancer la map Rayquaza. Ah oui, vu ton avatar, oui, c'est vraiment, t'as démarré récemment. Enfin, t'as dit, tu as démarré tout à l'heure, je crois. Cet après-midi ou... Je vais fermer mon Velux. Incroyable, Velux en cours de formation. Ah, ou sinon je joue Archéduc. Oui, toi, attends. Oh, in-game c'est Zentix. Je disais Zentwix à cause de ton W, je vais t'appeler Zentix désormais. Du coup, ouais, non, oui, t'as les skins Krabarak, enfin de Camper là, donc. Enfin, je crois que c'est Krabarak. Ou du moins, ça te permet de débloquer Krabarak. À l'époque, au début du jeu, quand ils t'offraient des Pokémon, c'est plus le cas. Oh, ce n'est plus le cas maintenant. Ils coûtent même 14 000, là, les Pokémon. Bon, à cette heure-là, en Europe, il ne doit pas y avoir beaucoup de gens qui jouent en random. On risque de se taper des bots. Ouais, ouais, c'est des skins de bots, ça, en fait. Ah, quoique. Ah non, c'est des skins de joueurs. J'ai la tenue Pikachu, mais j'aime pas. Non, elle est pas folle. Putain, c'est vrai qu'on peut jouer ce qu'on veut. Mais Noctali, ouais. Après, j'aurais pu jouer autre chose, mais je sais pas, Noctali, j'ai... Oh, quoique. En vrai, go découvrir des trucs, hein. Genre Archéduc Flèche. Mais tu joues déjà Archéduc Flèche. On va prendre une griffe rasoir, je pense, sinon. Ou un Focus Bend, je l'ai déjà. Mes objets, je sais pas. Mais que des trucs qui tapent en attaque spéciale. Mets des lunettes, ouais, cuillère, lunettes choix, très bien. Le mégaphone, si tu peux le retirer pour mettre une autre paire de lunettes, mais en vrai, c'est pas grave. Ouais, je vais rester sur ces objets, hein. Regarde. Ouais, non, mais je les vois. Non, c'est bien. Par contre, on n'a pas annoncé nos lanes, donc on sait qu'on est avec des vrais joueurs. Par contre, j'ai peur. Ouais, en face... Est-ce qu'on est contre des bots? Ça lag. Ouais, c'est des joueurs. C'est des vrais joueurs. On n'a pas annoncé nos lanes, c'est chiant ça. Il n'y a que du vétéran. Je vais aller en bas, moi. Ah, tu joues poupée? Je sais pas du tout si c'est bien. Donc moi, je joue stag, donc il me faudrait au moins un truc. Putain, non, il va rien me laisser.
Ok. Non, j'ai peur vu comment il joue que ce soit un bot en fait le lapin. Il joue un peu comme un bot ou comme un débutant, je ne sais pas. C'est un peu pareil en soi. Ah putain, c'est des bots, je crois. Quoique. Non, c'est juste des débutants. Non, c'est des débutants. Ouais, c'est des débutants, c'est pas des bots. Ouais, je vais essayer de leur choper. Hein. Dommage. Très mauvais bail de venir par contre. Bon, normalement, elle devrait bien se passer cette game. Pour moi, elle va être assez free. Oh oh. Ah non, c'est notre allié. Putain, il se met en plein milieu. Normalement, j'ai le temps de scorer encore une fois. Il vient d'en haut. J'ai trop peur. Je sais pas si c'est des bots. Non mais ils se mettent en plein milieu. Ça sert à rien de se mettre en plein milieu. Non mais je sais pas. En fait ils jouent comme des joueurs et comme des bots. C'est moite moite. C'est horrible. Oh bonjour Mentali. Stack. Oh là là, mais si tout le monde joue stack comme ça, ok, c'est pas des bots. Non, les bots ne se stack pas. Voilà, je peux faire double kill sur ma ligne. Je vais me faire plaisir dans cette game. Ce ne sont que des débutants en face. Ce ne sont que des débutants. Merde. Ouais. Après, l'Absol ne me bat pas. Hein. Ok, bien joué, ton attaque. Oh. Et ça, c'est quoi comme objet? Ok. 40 secondes de cooldown. Putain, c'est beaucoup. C'est cool d'écraser les débutants. Franchement, plaisir. Hein. Moi, j'aime bien. Ah, c'est un peu dommage que tu sois pas venu m'aider sur le Registeel. Non, on est obligé de la win. En fait, le seul moyen qu'on perde, c'est que je meurs. Non mais mes flèches... Bah ouais mais je suis stack à 6. Je leur fous 3 levels d'avance, je suis stack à 6. Là, c'est un peu risqué que j'aille score mais en vrai normalement je suis tranquille. Hein. Il y a des chances qu'ils FF. Parce que là... Malheureusement pour eux... Ah merde. Ouh l'Absol il me fait peur par contre. Tu fuis, t'allais me tuer. Mais oui, t'allais me tuer, pourquoi tu te barres? Pourquoi il s'est barré, il allait me tuer, j'ai même ult panique. S'il y a bien un seul poké qui peut me tuer, c'est vraiment Absol. C'est le seul Pokémon qui peut me tuer. Normalement, personne me bute vu que je prends pas trop de risques. Je prends aucun dégât pendant 12 secondes. 12 secondes, ça me paraît un peu beaucoup pour la... Pour la doll. Pour la truc de Munja.
Ouais, mais le Absol il joue comme un bot. Pas d'ulti? Ok. Je mets du combien par flèche? Ouais, je mets beaucoup. Hein. Franchement, go forcé, on a là une front avec Régil et qui l'autre. J'arrive pas à faire les 3-6 à relâcher parfaitement. Oh, je mets 2500 la flèche. Hein. Bon, je me permets de ne pas vous aider, je fais un peu la jungle pour atteindre mon level 15. Même sans charger une flèche, je mets des beaux dégâts. Ouais, il faut 1300 sans charger, c'est beaucoup. Ah. Ouais, putain, sans charger, je mets 2100. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Ah, c'est un peu dommage, je suis très proche d'avoir mon 15. Ah, il va me le donner toi. Normalement, je le bute. J'ai un troll là. Voilà, c'est qu'on affrontait des vrais débutants, donc... Ah, c'était dur. Hein. Dès le début, je le savais, enfin... On pouvait que perdre sur le Rayquaza, mais ils ont même pas essayé de l'avoir. J'avais monté à 24. Vas-y, je vais rester là. Oh non, attends, faut aller en haut. Attends, d'abord on va tuer le Karcha. Ok. Attends, ouais, j'ai peut-être score. Mais... Vas-y, je vais aller l'aider. J'ai envie de score. J'ai envie de kill. Oh, je crois que j'ai mon ult en plus. Oh oui, j'ai mon ult. Ah oui, reste sur moi, Fenard. Il est où l'Absol? Oh vas-y, je veux choper l'Absol. Putain, je sais pas où il est. Oh, je sais pas où il est le bâtard. Il est là. Oh, il a back, je suis deg. J'aurais kiffé qu'il tue l'Absol. Mais c'est ça le problème des games normales en fait. C'est soit tu tapes des merdes et tu te fais rouler dessus, soit tu roules sur les autres. C'est pour ça que je lance jamais de normal. Parce que le mode de jeu n'a pas d'intérêt. Après, tu peux jouer avec des gens de tout élo.
C'est l'intérêt quand tu joues entre potes. Mais là, oui, j'ai trop smurfé la game. Mais en vrai, c'est tout cool. Putain. Oh là là. Putain, il y avait un blanc coton en face. Je savais même pas. Ça va, j'ai quelques dégâts. Moi, ouais, j'ai la moitié des dégâts de la team. Je sais pas, j'ai combien en pourcentage de kill. Mais après, c'est normal. Hein. Là, j'étais avec. Là, j'étais ultra. J'étais avec 3 vétérans, 1 expert. Sauf que, évidemment, je suis pas. J'ai pas le level d'un ultra. Sauf que le problème, c'est que c'est pas mon smurf. Pas parce que. Bah, c'est mon compte principal, quoi. Mais je suis pas à mon level. Surtout en ranked. La game est, comment dire, pas folle. Bon, oh, ça va. T'as pu profiter, t'as pu te taper un petit. Oh, t'arrives pas à parler. Hein. T'as pu te taper un petit peu. Bah écoutez, bah c'était cool. Mais ouais, les non-ranked, j'aime pas trop ça. C'est comme Rocket League. Non, quoi qu'en Rocket League, tu peux jouer en non-ranked. Mais Unite, non. Unite, pour le coup, non, je trouve ça. Le jeu n'a pas d'intérêt. Parfois, du sens bien nul, les gens en face. Bah, bien nul, mais. Bon, ne le prends pas mal, mais probablement de ton level et du level de nos alliés. Mais juste moi qui suis pas du tout du level de nos adversaires. Ne serait-ce que l'Absol. Dès qu'il était. L'Absol aurait pu me tuer au moins 2-3 fois dans cette game. Sauf que quand il avait plus de vie, il visait comme les bots, il fuyait. Parce qu'il connaît pas la puissance de son Pokémon et le peu de vie que j'ai. Parce que je crois Archiduc, c'est l'un des Pokés qui a le moins de vie dans le jeu. Et enfin vraiment moi Absol me sautait dessus, tu le voyais, enfin je sais pas si tu le voyais mais si Silvercrow le voyait, je me prenais 3/4 de ma vie. Ça c'est l'un des problèmes d'Archiduc, pas de mobilité et giga chips. Mais après il fait très mal avec ses flèches, et là on l'a vu, je l'ai fait très mal avec les flèches. Ouais mes flèches, je sais pas, à la fin ouais peut-être elle tapait du 3000. Et même mes auto-attaques hein, vu que j'étais level 3, les bots tuaient 10% d'HP. Bah pour le coup, c'est ce qu'il faisait. Hein. C'est ce qu'il faisait l'Absol. Hein. Dès qu'il avait plus de vie, il se barrait. Après, confirmé, c'est spécialisé. Je sais. Oui, non, toi, oui. En anglais, oui, ton rank. En anglais, toi, ton rank, c'est expert, c'est le 3e. Spécialiste, c'est le 4e rank. Donc, oui, c'est ça. Ton prochain rank. Après, je t'avoue, t'étais pas sur ma lane, j'ai pas trop regardé ta game. Mais en vrai, bon, ça devait aller. Hein. Mais oui, de toute façon, vu la vitesse à laquelle tu montes, là, t'as peut-être un. Alors, level ultra, peut-être pas, mais spécialisé, ouais, probablement. Ah bah, j'ai bien bu d'eau, je crois que l'eau, elle était là au début du stream. Bon, bah, écoutez, sur ce. Je continuerai mon ascension master une prochaine fois, il me reste encore 11 jours. Je pense que dès que je serai master, je vais faire comme d'hab, hein, je vais arrêter de jouer au jeu. Mais ouais, j'ai raté une saison du coup, mais en vrai, non, j'avais vraiment la flemme de rejouer au jeu. J'avais trop la flemme de jouer à Unite. Mais enfin bref. Bah merci beaucoup d'avoir regardé, c'était cool, il y avait beaucoup de monde ce soir, je saurais pas dire pourquoi. Ah, peut-être quand j'ai eu des montées de viewers, c'est que l'une des personnes qui faisait du Unite a arrêté. Peut-être pour ça que j'avais autant de monde. Et oui, c'est probablement ça, parce que là, on n'est plus que deux à streamer du Unite. Donc je pense que c'est ça. Et les gens se sont dit, mais quel connard. Il joue Mentally. Il insulte tout le monde. Je suis pas à mon rank, donc forcément, tu peux qu'être frustré, quoi. Mais en vrai, non, ça allait ce soir, je pense, j'ai été assez respectueux. J'ai essayé d'analyser un petit peu. Je sais pas, enfin, j'ai joué comme d'hab en soi. Quand je suis en solo queue et que je suis pas tilt, je joue comme ça. Je pense que ça allait, j'étais assez gentil. Mais après, j'ai eu des bons teammates. À part mes deux loses, mes seules loses, parce que vraiment, je me suis tapé de la merde. Et on l'a vu pourquoi, hein. Dès le début de la game. Et j'étais en mode, oula, le Sucrène qui part en jungle avec ces items-là. Le gars, j'ai regardé son profil, j'ai vu qu'il avait les mêmes items sur tous ses Pokémon. Déjà, ça c'est très mauvais signe. Mais bon. En vrai, non, je vais pas m'arrêter là. Enfin, pour Pokémon Unite, ouais. Mais non, on va faire du Music Anime Quiz, Silvercrow. J'avais dit qu'on en ferait. Enfin, on avait dit qu'on en ferait.